Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en direct pour suivre la nouvelle manche du championnat des GTE Series by FFSA. Nous sommes au Mans, bienvenue pour vivre donc la manche française avant dernière manche, avant la trêve estivale. On partira du côté de Montréal, mais avant cela, eh bien, on va pouvoir profiter d'une dernière course. Pour cela, ne vous inquiétez pas, tout se passe bien ici. On est en train de faire quelques petits réglages. Ça va être chaud, ça va être rude, effectivement. Bonsoir donc, bienvenue pour cette manche donc du Mans. Nous sommes dans la Sarthe, comme les vrais pilotes IRL, effectivement. Alors, si vous êtes en train de nous regarder en direct, déjà, merci d'avoir fait l'impasse et sur le match de football et sur les vraies qualifications et des 24 heures du Mans qui vont débuter ce soir. Ils seront 16 à s'activer sur cette même piste des 24 heures du Mans pour tenter glaner l'un ou l'autre point au classement général, classement général que l'on va découvrir maintenant avec donc Anthony Yates en tête après la manche de Mosport. Première manche que vous n'avez pas pu suivre en direct suite à des soucis techniques, on tient à s'en excuser, on essaiera peut-être à l'avenir de vous la reproposer. En tout cas, Anthony Yates est solidement installé en tête avec 200 points, synonyme donc de 4 victoires. Ensuite, Julien Rosé, deuxième avec 125 points devant et David Lespès, 112 points, 2 petits points devant Nicolas Payès. Pascal Cartier est 5ème avec 90 points, 86 points pour Benoît Daubert, suivi par Olivier Vignon, Arnaud Marcotte, Ludovic Ferruy, non pas Ludovis, et Stéphane Bossard qui conclut le top 10 avec 58 points. On est donc du côté du Mans, on vous l'a dit, mais il fait partie d'un calendrier, ce circuit du Mans. On va le découvrir dans un instant. Voilà, avec donc on a pu suivre différentes courses du championnat. Il nous en manque quelques-unes, effectivement. On est donc à la 7e manche. On est bientôt à mi-saison. Vous verrez donc que le 7 septembre, ce sera la rentrée du côté de Montréal, comme je vous l'ai dit, après la manche de Mosport qu'on a eue. Et ensuite, Spa-Francorchamps, Monza, Silverstone, Suzuka, Austin au Texas, Adelaide en Australie. Et enfin, Sakhir, la 15e manche du côté du Bahreïn. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous exprimer sur le chat. Je vous ai sous les yeux, c'est fait pour ça. Sachez que les pilotes sont actuellement en train de discuter dans ce qui est le briefing. Et ils vont sûrement discuter de ceci, les pneumatiques. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il pleut actuellement au Mans et dans la vraie vie. Et chez nous, pourquoi ? Parce que nous utilisons la météo en temps réel et il est en train de tomber une averse du côté d'Arnage, qui est le point de référence que l'on a dans notre météo, dans notre appareil de mesure météo. Cet appareil, on peut vous le passer, hein, comme ça vous pourrez voir un petit peu ce qu'il en est au niveau des conditions météo. Voilà, si vous êtes sur le chat, vous pouvez accéder aux conditions météo en temps réel de ce soir au Mans. Et on espère que ça se calme, sinon on devra partir avec des pneus intermédiaires et des pneus pluie. Et sur une piste qui fait plus de 13 km, il va falloir se décider pour savoir qui choisit quel pneu. En attendant, on va marquer une petite pause dans le début de cette diffusion et on se retrouve tout de suite pour vivre la séance qualificative. Contrairement à d'habitude, le programme de la soirée va changer, il n'y aura pas Q1 et Q2, la longueur du circuit ne permettant pas aux pilotes d'effectuer plusieurs runs pour se qualifier en Q2, ce sera très simple. La solution, une séance qualificative de 20 minutes qui devait débuter d'ici quelques instants et non pas à 21h30, c'est ce qui est mis en horaire de dernier délai. Ensuite un warm-up de 10 minutes pour prendre une dernière fois la mesure de chacune des voitures avec la bonne quantité de carburant. Enfin une pré-grille de 6 minutes pour rejoindre sa position sur la grille de départ. Attention, un tour en 3-4 minutes au ralenti, il va pas falloir se louper et sortir très vite des box si on ne veut pas être bloqué au feu rouge. Et enfin, on partira pour 90 minutes d'épreuve. On se retrouve d'ici quelques instants pour vivre la qualification. A tout de suite.
Voilà, de retour pour vivre la séance qualificative. 20 minutes pour se qualifier. On part du côté de la pit lane où les premiers pilotes sont en train de quitter tout doucement les box. Alors, on va vous demander un petit instant. On va faire un petit réglage au niveau sonore puisqu'on n'entend pas beaucoup les voitures et pourtant on devrait. Donc, on va corriger ça. Voilà. Vous voyez que la pit lane est sur le point d'ouvrir. Voilà, c'est feu vert. On part pour 20 minutes et vous allez constater une chose déjà. C'est qu'on n'est pas sur la version la plus récente de cette piste du monde. On est sur la version 90, les années 90, la version Virtua LM. Alors ça lague un petit peu, mais il y a du monde. Mais tout le monde va devoir partir s'ils veulent eh bien, avoir l'occasion, l'opportunité de réaliser un chrono. Une grille un petit peu faiblarde ce soir avec, on va dire, seulement 16 pilotes sur la grille de départ, mais il y a des raisons à cela. Déjà, la piste du Mans, alors qu'on a une voiture du Team Royal Championship qui est un petit peu au ralenti. Alors, la course 2 ce soir sera d'une durée de 90 minutes. On est avec Pascal Cartier et sa Ferrari. Comme vous pouvez le voir, eh bien, il pleut et la piste est bien luisante ici au Mans, ce qui explique des petits ralentissements. Pascal Cartier, 11e. Pour l'instant, alors ça ne veut pas dire grand-chose. Alors on n'a pas encore toutes les traces de pluie, mais il pleut effectivement. Alors on arrive dans la ligne droite des Hunaudières. On embarque avec Cyril Renault, avec sa voiture du team Spirit Racing. Il y aura peut-être du grabuge à la chicane Dunlop, effectivement. On s'attend à un départ très chaud. Alors la chicane Dunlop ici n'existe pas, justement. Puisqu'on est dans la version des années 90 de cette piste des 24 heures du Mans. Sachez aussi que l'on a maintenu les chicanes dans la ligne droite des Hunaudières, effectivement, pour éviter de tuer tout de suite les moteurs. Et deuxième chose, c'est qu'on va augmenter le son pour que vous entendiez quand même un petit peu les moteurs. Voilà, c'est maintenant chose corrigée. On est dans la deuxième partie de la ligne droite des Hunaudières. On va vous tenir au courant donc de l'évolution et de la météo et des chronos. Pour l'instant, en tour de sortie, évidemment, sachez que les meilleurs ici tournés en à peu près 3 minutes 20, 3 minutes 30 aux dernières informations. Donc, je ne sais pas sous la pluie ce que cela va donner, mais en tout cas, ça promet une belle animation. Malheureusement, on craint également une course à élimination avec ces conditions qui pourraient porter à mauvaise chance à certains pilotes un peu moins à l'aise sur des conditions aussi humides. Est avec Olivier Vignon, que l'on avait vu un peu au ralenti au niveau de la chicane Dunlop tout à l'heure. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de propagation d'eau, effectivement, dans certaines parties de la piste qui sont donc plus humides que les autres. Les autres parties sont quant à elles un peu moins humides, comme ici. Le virage de Mulsanne. Le droit de Mulsanne qui est assez technique ici. Vous voyez que ça glisse beaucoup. Hein. On a vu, je crois, c'est peut-être Thomas Pinotto. Je ne sais pas qui était-ce là. Romain Thomas peut-être avec cette BMW. Alors qu'ici on est avec Jérôme Chevasson. Fabrice Pierre. Ils sont donc 16, je vous le disais. Et on est dans une configuration de la piste du Mans qui est assez compliquée. Puisque effectivement on est dans une période où il n'y avait pas de dégagement, pas de bac à gravier. Donc, pas de droit à l'erreur. En tout cas, ça promet déjà, il y a bientôt 5 minutes, de tomber dans cette séance qualificative. Il va falloir se décider, mais on laisse également de l'espace entre chacun. Benoît Daubert qui a quitté sa Porsche pour rejoindre une BMW du Team Spirit Racing. Le marché des transferts, ça fait toujours jaser. Et bien cette fois-ci, on y est avec la modestie de porter le numéro 1. On retrouvera Anthony Yans, actuel leader du championnat évidemment, puisque il a stoppé sa participation à la Porsche Super Cup, mais reste toujours présent au sein de l'équipe BMW. Alors on arrive dans les parties des virages du karting ici. Et vous voyez que les dégagements dont on a l'habitude sur la nouvelle piste du Mans ici ne sont pas là et que les murs sont présents, donc il y a des risques. Alors, on va baisser le son des moteurs en caméra intérieure. Voilà, vous m'entendez peut-être un petit peu mieux, navré. Il y avait peut-être un problème de balance et vous veillez. Allez, le premier à s'élancer.
C'est Benoît Dobert qui, d'une glissade majestueusement maîtrisée, lance son chrono. C'est parti pour Benoît Dobert qui a rejoint donc le Team Spirit Racing, drapeau jaune dans le troisième secteur, qui est allé nous faire une petite cabriole. Oh, c'est Simon Pirard. Oh, il y a un très mauvais endroit. Et vous voyez que c'est difficile de repasser la puissance, effectivement, avec ces conditions difficiles. Bon, et bien, première tentative terminée. Julien Rosé également en train de ralentir. Et il repleut. Oh, il y en a pour qui la tour de sortie était compliquée. Alors, fiez-vous à la couleur des bandes sur les flancs des pneumatiques. Ça vous donnera une idée des gommes qui ont été montées. Certains sont en pneu pluie, comme ici Cyril Renault avec les flancs bleus. Et on n'a pas encore vu deux pilotes tenter l'aventure en pneu intermédiaire, mais ça ne saurait tarder. Alors tout le monde est dans le premier secteur pour l'instant. Seuls certains pilotes Corvette sont encore dans la troisième partie du circuit. On est ici avec Olivier Vignon qui rentre également. Regardez, il était parti lui en pneu sec carrément. Et tous ceux qui ont tenté de partir en pneu sec se sont fait piéger. Anthony Hans en pneu pluie dans la ligne droite des Hunaudières. Et vous voyez que c'est très rapide. Et le freinage de la deuxième chicane, on vous le disait, pas beaucoup de dégagement sur cette piste. Et regardez, on a déjà passé quasiment 6 minutes, voilà. Assez compliqué. Benoît Dobert poursuit également, c'est lui le premier qui ouvre le... qui a ouvert le bal des chronos. Simon Pirard qui s'était un petit peu loupé. Alors du coup, on s'est ravisé du côté de Ludovic Furwi, avec une livrée qui n'est pas sans rappeler, eh bien, Jimmy Johnson, le... célébrissime pilote de NASCAR. Ça tombe bien, c'est une Chevrolet. Ça se marie bien. Voilà, Sébastien Garcia également. On est au freinage de Mulsanne pour Romain Thomas, avec qui on embarque maintenant. Drapeau jaune dans le premier secteur alors qu'on arrive du côté d'Indianapolis. Et regardez sur la gauche, c'est un rail qui vous colle à la piste. Oh, et le freinage loupé à Indianapolis justement pour Romain Thomas et la BMW numéro 42 qui va faire une petite escapade dans le bac à gravier. Attention, il vaut mieux ressortir prudemment. Oh, et c'est Sébastien Garcia qui est allé taper aussi. Et pourtant, ces garçons sont en pneu pluie, donc c'est que c'est vraiment compliqué. La voiture numéro 74, cette Ferrari. Et non, ça c'était du côté du freinage de Mulsanne que c'était à la faute. Et le drapeau jaune du premier secteur est maintenant retiré. Et je crois que tout le monde a compris la leçon et est parti en pneu pluie. Mais malgré tout, c'est compliqué de tenir les voitures. Pascal Cartier ici qui ralentit un pilote BMW. Oh, et Thomas Pinotto également, qui comme Romain Thomas est allé tester le bac à gravier du côté du freinage d'Indianapolis, avec la voiture de Cyril Renault maintenant, à la poursuite, je crois, de Pascal Cartier. Ah oui, voiture numéro 58, et il est gêné par Pascal Cartier, terrible, dans les S-Porsche. Et Pascal Cartier qui va s'écarter, mais ouh, il a failli perdre l'adhérence. Et drapeau jaune de nouveau dans ce troisième secteur, on va peut-être découvrir ce qui s'est passé. On reste avec Cyril Renault qui va conclure son tour. Les premiers chronos tombent. Anthony Hahn, c'est pour l'instant détenteur du meilleur temps. Meilleur temps que l'on va découvrir maintenant. 4 minutes 05, battu à l'instant par Benoît Dobert. En 4 minutes 04 et 4 minutes 20 pour Logan Joyeux, troisième. On suit Cyril Renault. Alors que David Lespès rentre le troisième chrono en 4-09. Et Benoît Dobert, pour l'instant, le plus rapide de la première salve. Drapeau jaune, justement, dans le premier secteur. Cyril Renault s'empare du quatrième temps, juste devant Pascal Cartier. Jérôme Chevasson, maintenant, est cinquième. Oh, et c'est une Corvette qui est allée taper. Attention à ne pas trop perdre de temps de ce côté-là. J'espère que personne n'est allé le percuter. C'était assez compliqué. Ben, il suffisait de le dire, malheureusement. Et Jérôme Chevasson... qui, je crois, est allé percuter la Corvette qui était en perdition
Eh ben voilà, il manque un demi-train avant gauche à Logan Joyeux. Ça nous fait deux voitures à l'arrêt et croyez-moi que là, la séance qualificative de Logan Joyeux est terminée. Impossible de ramener la voiture sur trois roues dans les 10 minutes et de faire un chrono. Je pense que là, c'est tout simplement terminé pour Logan Joyeux. Quel dommage. Par contre, je pense que pour... Ah, Jérôme Chevasson qui est allé taper également. Eh bien, les voitures numéro 14 et 15 qui sont allées au contact donc. Pas d'amélioration, pardon, en ce qui concerne les premiers. Fabrice Piaia vient de rentrer le sixième temps en 4 minutes 14. Et drapeau jaune dans le premier secteur, évidemment. Alors, sans capot avant pour Gilles Châtelain. Oh, qui va mettre 4 roues dans l'herbe, là, attention. Est-ce que c'est déjà pour rentrer et ne pas gêner? Oui, c'est afin de ne pas gêner ses petits camarades. Olivier Vignon est en tour de sortie. On embarque avec le pilote de la voiture numéro 69 pour le début de ce tour rapide. C'est parti pour le pilote de la Ferrari qui lance son premier chrono. Pour l'instant, il est 15e. Et la pluie qui retombe dans le premier secteur. Alors, les freinages, vous l'entendez, c'est très délicat. Une fois la chicane de l'op passée, on freine ici dans ce qui était l'ancien secteur. Et toujours la BMW plantée dans le mur, la numéro 14 de Jérôme Chevasson. Et je crois qu'il a même quitté le serveur, Jérôme Chevasson. Oh, et c'est Gilles Châtelain qui est là dans le mur. Je pensais qu'il était sorti du côté de la chicane de l'op, mais rien n'y fait, il est du côté du tertre rouge. Et c'est maintenant lui qui procure un drapeau jaune dans ce même secteur. La ligne droite pour Olivier Vignon. On va suivre au niveau des chronos ce que ça donne avec pour l'instant un beau premier secteur pour Pascal Cartier ainsi que pour Jérôme Chevasson avant qu'il ne percute évidemment les murs des pneus. Deux tours entamés pour quasiment tout le monde. Il y a déjà eu deux arrêts au box pour Ludovic Ferruy. Attention à la manière dont ces voitures repartent. Benoît Daubert est prudent et pour l'instant Anthony Yates est battu par Benoît Daubert qui ici n'améliore pas et Anthony Yates non plus. Visiblement l'eau reste stagnante sur cette piste du Mans. Alors Logan Joyeux peut-être tenter de la remettre dans le bon sens. Les commissaires agitent les drapeaux jaunes pour la Corvette. Allez, on repart peut-être pour une longue, longue période. Alors on sait que le règlement autorise les pilotes à passer le transpondeur et à ensuite terminer leur tour rapide si la séance est toujours en cours. Mais en 7 minutes 30, 10 km à parcourir, ça semble compliqué. Anthony Hans qui rentre. Cyril Renaud derrière et Jérôme Chevasson ne bouge pas, mais il est pour l'instant quatrième. Donc ne pas faire échappe, sinon c'est la pénalité. Sauf si vous abandonnez, évidemment. Et, oh, et le freinage là pour Fabrice Piaia qui était un petit peu optimiste. Et ça s'arrête dans le bac à gravier pour Fabrice Piaia, laissant passer la voiture numéro 19 de Simon Pirard. Et le retour de Thomas Pinotto sur le serveur, le pilote de la Corvette, de l'Aston Martin, pardon. Et ça laisse passer, puisque Olivier Vignon est en tour rapide, avec un beau premier secteur, pardon. Je me suis un peu étranglé, navré. Anthony Hans est en train de mettre deux secteurs dans le vert, mais pas dans le mauve. Il est plus rapide que Benoît Daubert dans le second secteur, justement. 43-7 contre 43-9. Mais est-ce que ça sera suffisant pour le pilote belge? On le découvrira bientôt. Ça s'arrête pour Julien Rosé. Oh, et Simon Pirard, 8e, qui est allé rectifier l'aérodynamisme de sa Z4. Eh bien, Simon Pirard, le garçon nous avait habitué à des choses un peu plus réussies. Alors, Anthony Hans qui est du côté, je crois, d'une première chicane sur ce circuit du Mans, ou il est du côté des Esports? Non, il est bien du côté de la première chicane des Unodières. Il relance son chrono, donc toujours deuxième, Anthony Hans, qui
qui est donc en 405-498. Alors qu'en tête, Benoît Daubert est en 404-997, pardon, et Olivier Vignon qui vient de terminer son tour avec la Ferrari 458 et qui la place en quatrième position avec un chrono de 4 minutes 10, 963 pour lui. Et tout doucement, mais sûrement la séance continue. Alors Logan Joyeux qui est reparti. Avec ses trois roues, évidemment, il tente de ramener la voiture. Il va lui rester 4 minutes 50. Il est du côté d'Indianapolis. Ça ne peut pas le faire, à mon avis. Alors, à nouveau, drapeau jaune. Dans le troisième secteur. Est-ce qu'il a été justement provoqué par... alors que Ludovic Ferrui rentre au box avec un avant un peu chiffonné. Ça tape un petit peu quand même, hein, les pilotes qui ont beaucoup de mal à gérer ces conditions changeantes. Et un 16e pilote vient de nous rejoindre. Et de nouveau drapeau jaune, mais dans le deuxième secteur cette fois. Alors, on sait que pour le premier secteur, c'est la BMW. La deuxième, c'est bien Logan Joyeux qui a stoppé du côté d'Arnage et qui va devoir repartir. Y a-t-il une voiture à ses côtés? Non, pour l'instant, rien. Donc, il n'est pas en train de gêner quelqu'un. Simon Pirard, que l'on avait vu sans capot avant tout à l'heure et qui s'y repart pour un tour de sortie. Attention, il va rester eh bien moins de 3 minutes 30 dans cette séance. Et une chicane coupée pour Ludovic Ferrui. Alors, je ne sais pas si c'est autorisé alors qu'il y a une voiture dans le mur. C'est la voiture numéro 77 de Gilles Châtelain. Et qui a fait échappe et qui vient donc, je crois, de mettre un terme à sa séance qualificative. Pas de chrono pour Gilles. Et il y a encore beaucoup de pilotes qui doivent rentrer un chrono. Ils ne sont que 9 à avoir un temps pour l'instant. David Lespèce, 3e, avec la Corvette depuis le retrait de la Viper. Un nouveau pilote vient de nous quitter. Peut-être dû à des soucis également techniques ou de volant. Et merci à vous pour vos réactions et votre soutien sur le chat. Merci sincèrement. On essaie de promouvoir ce qui nous passionne. Et ravi que vous répondiez à l'appel malgré les autres événements sportifs présents IRL, comme par exemple eh bien, les 24 heures du Mans, puisque je vous rappelle qu'on utilise exactement la même météo qu'au Mans. Donc c'est-à-dire que si vous allez voir maintenant ce qui se passe dans la Sarthe, eh bien il pleut. Benoît Daubert en tour de sortie. Ça vient, je crois, pour Anthony Hans de lancer son chrono. On va suivre ça avec le pilote belge. Pour l'instant, seul Olivier Vignon est en train de faire un peu mieux. Et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent ce soir pour vivre la première partie de l'avant-goût, évidemment, des 24 heures du Mans avec cette manche courue sur la piste en version années 90, pardon. Donc une piste beaucoup plus technique et dangereuse que ce qu'elle est aujourd'hui. Et Julien Rosé qui, tout en glissade, relance la mécanique à la sortie du freinage de Mulsanne. Moi, je serai au Mans vendredi pour le championnat de France Forza Motorsportis et ensuite du samedi pour mon plaisir personnel. Le 8e chrono vient d'être inscrit par Romain Thomas sur une autre des BMW Z4. Alors que l'on suit le tour de sortie. 9e, Pascal Cartier va rentrer. Voilà, un nouveau chrono maintenant. Et ce sera, je crois, pour lui, le dernier tour, puisqu'il reste 1 minute 25 au temps de cette séance. Et il y en a qui sont déjà trop loin. Par exemple, Benoît Daubert, je ne sais pas si en 1 minute 25, il ira chercher. Je pense pas, hein. Je pense que pour Benoît Daubert, c'est terminé. Cette tentative sera la dernière. Eh oui, 16 pilotes présents ce soir pour cette manche française avant la trêve estivale et le retour des GTE Series. On ira du côté eh bien, du très technique circuit Gilles Villeneuve. Ce sera au Canada, au Québec. Et effectivement, certains pilotes ont décidé de choisir le ballon rond. Sébastien Garcia, 11e chrono, 4 minutes 30. Alors les écarts ici sont assez
vertigineux entre les pilotes. Oh, il y a un capot et je pense que ce serait bien celui de Romain Thomas. Et bien voilà, qui s'est arrêté du côté du virage du tertre rouge, drapeau jaune. Les commissaires agitent le tissu. Et on ne le voit même plus, il s'est mis hors piste pour ne pas gêner le gros tête à queue pour Pascal Cartier. Qui va juste se déposer dans la première chicane. Donc pour lui, c'est également terminé. Et Pascal Cartier qui aura donc le 9e temps tout au plus. Alors qui reste-t-il? Alors qu'au niveau du temps de la séance, c'est le dernier tour pour tout le monde. Puisque le chrono est arrivé à son terme. C'est arrêté aussi pour Ludovic Ferruy, voiture numéro 13. Et c'est du côté, je crois aussi, de la première chicane que ça a été discutable. Non, de la dernière, pardon. C'est là que ça va terminer. Bien écoutez, la séance est officiellement terminée. Benoît Daubert est en pole position. Il est au box. Qui est encore en tour rapide? Eh bien, je crois, plus personne. Ah, peut-être que Olivier Vignon pourrait tenter quelque chose dans ce premier secteur. On a entendu un gros coup de frein qui a été donné derrière, en fond. Gros blocage de roue. Effectivement, la piste qui est luisante grâce aux nombreuses gouttes de pluie qui sont tombées, mais ça semble s'être calmé ici au Mans. Peut-être pour un départ avec des pneus intermédiaires, on verra ça le temps du warm-up. 10 minutes pour se faire à une voiture chargée. Bah écoutez, je pense que c'est tout. Il ne reste que Olivier Vignon en tour rapide. Les autres stoppent. Et je ne sais même pas si Simon Pirard est passé dans les temps au niveau du transpondeur. Pour Julien Rosé, c'est également terminé. Beaucoup de lag du côté de Mulsanne. Et tout le monde est dans le rouge. On va attendre le premier secteur peut-être. Et voilà, le premier secteur de Julien Rosé qui améliore. Il serait sans doute passé du côté du transpondeur avant la fin de la session. Et bien du coup, voilà, il ne reste plus personne. C'est terminé, je crois, pour cette séance. On va suivre Sébastien Garcia. Beaucoup de lag en vue télé de ce côté-là. Et bien nous sommes au Mans, pardi. Nous sommes sur la piste des 24 heures du Mans, configuration années 90. Oh, le freinage à l'intérieur du côté d'Indianapolis. Attention, parce que là, il est 11e, Sébastien Garcia, mais il améliore de 5 secondes 4, ce qui est assez imposant. Quand on regarde le calcul, 5 secondes 4, ça pourrait le mettre bien. 6 secondes dans le deuxième secteur. Mais écoutez, peut-être aller chercher le top 10, hein, pour l'instant. Donc 11 pilotes ont rentré un chrono valable dans cette séance qualificative. On va attendre la fin du tour de Sébastien Garcia et on ira cueillir les dernières informations auprès du pilote en pole position, à savoir Benoît Daubert et sa BMW numéro 01. Allez, on est dans les S-Porsche pour Sébastien Garcia et sa voiture du Suzuki X-Star. Et Olivier Vignon qui rentre le 5e chrono à 5 secondes de la pole. Allez, les deux dernières chicanes, la Ford et le raccordement. Julien Rosé qui rentre le 11e chrono. Sébastien Garcia à son tour maintenant va franchir le transpondeur pour peut-être gagner une ou deux positions. Et le 10e temps de Sébastien Garcia qui met ainsi Logan Joyeux en dehors du top 10. Je crois que c'est maintenant bel et bien terminé. Oh, il reste Simon Pirard qui n'a pas encore rentré de chrono et qui est en train d'améliorer. Alors il est passé visiblement sous le transpondeur, mais il se loupe à la dernière chicane. Attention, c'est Simon très très chaud. Et rien que rentrer un chrono, ça pourrait faire déjà le boulot. Et voilà, 7e temps pour Simon Pirard que l'on avait malheureusement un petit peu mis de côté. Et bien voilà, maintenant, c'est bel et bien terminé. Plus personne n'est en piste avec Simon Pirard et qui vient de terminer sa séance. On va se retrouver non pas pour la qualification d'ici quelques instants, mais bien pour l'interview du Poleman. On marque une courte pause. Restez avec nous. N'hésitez pas à partager et à retweeter ce live. À tout de suite.
Et de retour donc pour l'interview de notre poleman du jour, Benoît Daubert. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Alors on te retrouve donc ce soir en pôle au Mans avec une séance qualificative qui n'aura pas été de tout repos, peu de tentatives et surtout une piste bien piégeuse. Raconte-nous comment tu as été chercher cette première place. Bah, tout d'abord, la clé ça a été de faire le temps le plus tôt possible. Parce qu'on a pu vite le constater, plus il pleuvait, plus la piste était détrempée, donc ça devenait de plus en plus dur. Mmh. Et bon, du coup, bah, j'ai réussi à aligner un tour plutôt propre dès le premier essai. Et bon, bah, il s'avérait que... Oui. Ensuite, Le Mans, très peu d'appui, donc en plus on est sous la pluie, ça fait qu'on n'a pas le droit à l'erreur sur les réaccélérations et les freinages. Donc je pense qu'ici, en tout cas sur la première partie de course, il pleut pas, la clé ça va être avant tout de rester sur la piste. Alors tu dis qu'il ne pleut pas, est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir une partie de la course sur le sec ou est-ce que ça va rester humide pendant toute l'épreuve ? Si il se remet pas à pleuvoir, il est pas impossible que la trajectoire se mette à sécher, malgré qu'on soit peu, mais je pourrais pas trop prévoir encore. D'accord, alors c'est la première fois qu'on te découvre, nous, en direct, au volant d'une BMW. Raconte-nous la différence par rapport à la Porsche que tu pilotais il y a de ça quelques épreuves. Alors la majeure différence, c'est le poids, qui est réparti d'une façon complètement différente. Mmh. La Porsche avait un moteur arrière et la BM un moteur avant. Où ça fait une voiture, une BM qui tire énormément d'avant dans les virages, alors que la Porsche avait plus tendance à être joueuse de l'arrière. Donc c'est vraiment deux comportements bien bien différents, deux modes de réglage du coup bien différents, étant donné qu'on joue avec des poids qui ne sont pas placés au même endroit. Mais sinon, une voiture très agréable, assez stable, je dois dire, quand même. Et qui me va plutôt bien. Eh bien, bah écoute, tu as signé une pole autoritaire face à, on va dire, désormais ton rival, on va le dire comme ça, Anthony Hans, qui pour l'instant amène le championnat. Tu penses que ce sera une lutte BMW contre BMW aujourd'hui, ou tu penses que tu as une chance de partir un petit peu devant et faire le trou? Ça, ce sera sûr qu'il y aura de la bataille avec des BMW. Après, faudra pas non plus oublier les Corvettes, qui je vois aujourd'hui sont quand même pas ridicules du tout. Notamment David Lespès qui signe une troisième position. Ouais, la voiture qui est très bien conduite effectivement. Donc tout est possible. Après, oui, ce sera certainement dur de tenir la première place jusqu'au bout. D'accord. Et un dernier mot, tu vas parler des Corvettes. Les Ferrari, ici, on sait qu'elles freinent très bien depuis le début du championnat. Est-ce qu'ici, sous la pluie, le freinage, ça peut être un petit avantage pour si elles attaquent ou... Ah, ça, c'est sûr que si je me fais attaquer par une Ferrari, il y a de grandes chances qu'elle soit plus à l'aise sur les freinages. Elle est quand même relativement plus stable et elle freine du coup mieux sur la pluie, étant donné qu'elle a des freins arrière qui fonctionnent mieux. D'accord. Ok, bah écoute, merci pour tes explications. On ne va pas te prendre plus de ton temps parce qu'il y a un warm-up et tu dois y participer comme tout le monde. Déjà, merci d'avoir fait le petit déplacement jusqu'à notre cabine et on te remet dans ton TeamSpeak dédié. Et bien, bonne chance pour la course et on espère te retrouver tout à l'heure sur le podium. Merci Benoît. Merci à vous. Vous voyez, c'est formidable. Alors Benoît, on va le reswitcher. Quant à nous, les amis, on va se retrouver... d'ici quelques instants pour vivre la pré-grille de ce soir. Alors, laissez-moi un instant, on va s'y retrouver, voilà. Le warm-up, dans un instant, on va suivre les dernières minutes laissées aux pilotes pour rentrer un chrono et se faire une dernière fois à cette piste du Mans. A tout de suite. We'll be right back.
Et de retour pour vivre les toutes derniers instants, les toutes dernières minutes de ce warm-up avec eh bien, les différents pilotes qui testent leur voiture. On rappelle le classement avec Benoît Daubert donc en pole position devant Anthony Yance, David Lespèce, Cyril Renault et la première Ferrari. Et cinquième, c'est celle d'Olivier Vignon. Vous pouvez découvrir sur votre écran la trajectoire qui est en train eh bien, de sécher et ça va être parfait pour le départ parce que vous le voyez, la Ferrari 458 numéro 69 est pour l'instant montée eh bien, de pneus intermédiaires avec ses bandes vertes sur le flanc des voitures. Et pour l'instant, on va voir qui va prendre le risque. Alors, Pascal Cartier lui en a peut-être pris un peu trop au niveau des gommes. Qu'est-ce qu'on a testé du côté de la Ferrari ? Je ne serais pas curieux, je ne serais pas surpris de voir des pneus slick, du moins des pneus à flanc jaune sur cette Ferrari. Qui est à l'arrêt dans les S-Porsche, ça ne s'invente pas. Allez, il va pouvoir repartir. Ça n'est pas trop grave si ça arrive maintenant. C'est justement ce pourquoi le warm-up a été créé. Et effectivement, on est en pneu slick du côté de Pascal Cartier. Donc, c'était le moment ou jamais de prendre la mesure de cette piste du Mans avec ces gommes-là. Pour le reste des pilotes, je pense qu'on est parti en optant pour des intermédiaires. Des pluies pour Gilles Châtelain encore. Thomas Pinotto, 16e, est avec des pluies également. Et derrière, eh bien, les autres sont en intermédiaire ou en pneu pluie. Ouais, du côté du Team Spirit, on est assez tendre. Et par contre, là, voilà, Olivier Vignon est certes en intermédiaire, mais il y a des endroits où il ne faut pas se louper. Sinon, on en paie le prix fort. Alors, Fabrice Piaget, lui, est monté de pneus intermédiaires également. Et vous voyez que ça sèche très vite hein, ici. Alors, Fabrice Piaget, 8e, évidemment. Et donc, les pneus slick pour Pascal Cartier, c'est peut-être un petit peu tendre. Je ne serais pas surpris d'ici un peu moins de 2 minutes de voir les pilotes partir en pneus intermédiaires. Drapeau bleu, gentiment agité par nos amis commissaires que l'on salue. Ils seront très nombreux, je crois, 1600 ce week-end aux 24 heures du Mans. Il faut bien ça pour les 13 km de la piste sartoise. Alors, oui, Julien Rosé qui est en tour rapide et qui est en train de pousser en dehors de la piste, voilà. Et la Ferrari, un petit peu à la dérive. Donc, on entendait le poleman, Benoît Daubert. Donc, on vous a dit récemment passé de chez Porsche à BMW, expliquant le comportement de cette bavaroise, bien différent avec notamment son moteur à l'avant. Ça change les choses, ça rentre du coup pour Olivier Vignon évidemment avec les pneus intermédiaires. Et il va rester moins d'une minute, drapeau jaune dans le premier secteur. Oh oui, il y a une Corvette qui est à l'arrêt. Je crois la Corvette numéro 77, si je ne dis pas de bêtises, on va aller voir ça. Qui est stoppé là dans cette partie-là de la piste. Ça rentre pour... Ah, ce serait bien... Ou est-ce que ce ne serait pas Gilles Châtelain qui était premier, c'est assez drôle de voir les Corvettes répondre maintenant, avec une piste changeante, pourquoi pas. Et c'est effectivement Gilles Châtelain qui a pour l'instant le meilleur tour de cette séance qualificative en 4-0-2. Et effectivement, la piste sèche, la pole était elle en 4-0-4. Donc on est déjà 2 secondes plus vite, rien que par temps sec, ou du moins par piste séchante. Donc ça risque de nouveau d'évoluer d'ici eh bien, l'extinction des feux dans exactement 7 minutes. On marque une courte pause. Et on se retrouve tout de suite pour vivre la pré-grille de cette manche du Mans. A tout de suite. We'll be right back.
Et de retour donc du côté du Mans, merci pour votre temps et votre patience. On va débuter d'ici quelques instants la mise en grille et c'est parti. Les pilotes qui rejoignent, voilà, qui quittent les box. On va les voir arriver d'ici quelques instants du côté de la chicane Dunlop. Il reste 5 minutes 30 pour aller se remettre sur la grille de départ, sachant qu'un tour est environ en 4 minutes 30 en sortie. Ce serait intéressant pour eux de ne pas très à même de sortir. Voilà, vous la voyez, cette piste avec la trajectoire sèche. On va patienter jusqu'à ce que l'ensemble des pilotes aient remis leurs pneus du côté... de la grille de départ, comme ça, pas de mauvaise surprise. Vous voyez que ça va sortir des box pour Romain Thomas maintenant. Olivier Vignon également. Et ça sort pour la Ferrari, qui va elle aussi rejoindre cette grille de départ. Et vous voyez, donc la piste est quasiment sèche, donc
Ça m'étonnerait pas que certains tentent le coup de partir en pneus slick, surtout en fond de grille, ça pourrait être intéressant. Oui, 3 minutes 50, il est temps de quitter la pit lane. Alors, on est en pneu intermédiaire. Il y en a qui sortent des box, mais qui sont déjà à l'attaque, hein, pour tester les limites de l'adhérence. Les freins rouges pour notre poleman, Benoît Daubert. Et que ça sort tard, quand même. Hein. Ça sort très, très tard. Olivier Vignon qui va chercher l'eau. Alors, pourquoi va-t-il chercher l'eau sur le bord de la trajectoire pour refroidir les pneumatiques et ne pas les dégrader trop vite? Ça semble logique, en tout cas la trajectoire est maintenant bien sèche et si la pluie ne revient pas, ça pourrait nous donner pas mal de stratégies avec le passage aux pneus médium et dur, puisque les pneus tendres ici ne tiennent pas, il suffit d'un plat et ils sont arrangés aux oubliettes. Un pilote qui sort quand même tard, alors y a-t-il de la tentative? Oui, il y a de la tentative pour Fabrice Piaia en pneus durs. Fabrice Piaia qui est sorti en pneus durs. Sébastien Garcia aussi. On est en intermédiaire toujours pour Logan Joyeux. Ah, ça va nous créer des belles différences, ça, les différences de gomme montée sur chacune des voitures. Julien Rosé, 13e. Sur la grille de départ, en intermédiaire. Les pneus slick pour Ludovic Ferru qui devrait être... à même de remonter. Alors tous ceux qui osent parier les pluies, les secs, pardon, c'est un fameux pari par rapport aux pneus pluie. On risque de voir les pilotes aller chercher l'eau. Ah, et on est en pneu médium pour Anthony Jans. Le leader du championnat. Oh, attention, parce qu'il y a un pilote qui risque de le dépasser là dans la mise en grille. Non, on reste prudent. Avec un autre pilote BMW. C'était la voiture numéro 14 de Jérôme Chevasson. Et David Lespèce, donc troisième meilleure Corvette sur la grille en pneu intermédiaire. Oh, et Cyril Renault! Cyril Renault bloqué au box. Le feu est rouge. Alors, est-ce que c'était pour changer de gomme? On va vérifier ça tout de suite, si on le peut en tout cas. Peut-on vérifier les gommes montées par... le pilote, non, malheureusement, nous n'en avons pas l'opportunité, navré. Mais je pense que Cyril Renault est monté, peut-être rentré en urgence, monté des slicks. Eh bien, ce soir, c'est le tracé du Mans qui nous accueille, mais en version années 90. Kimbo nous le demande sur le chat, effectivement, c'est la piste du Mans en version années 90 avec... beaucoup plus de rails et beaucoup moins de dégagement que maintenant. Et les deux Corvettes qui évoluent ici en tenaille. Alors, il y en a déjà qui sont venus rejoindre la grille de départ. Alors, il y en a qui ont tenté les pneus slick et d'autres les pneus intermédiaires. Ce sera très intéressant de voir comment ça part. Thomas Pinotto est déjà sur la grille de départ. Ludovic Ferrui, lui, est en pneus slick. Et Gilles Châtelain, lui, est en pneu intermédiaire ou en pneu pluie? Non, je crois en pneu intermédiaire, tout de même, il n'a pas voilà, risqué le tout pour le tout. Et le poleman, donc Benoît Daubert, qui est bien installé sur cette même grille de départ. Et les autres vont venir petit à petit se placer. On attend les prochains pilotes. Voilà, c'est Olivier Vignon qui arrive. Effectivement, très belle livrée du côté du Blue Sky. En intermédiaire, du côté de la Corvette 77 de Gilles Châtelain. Et les pilotes qui vont devoir démarrer maintenant le tour de formation. Allez, ça démarre le tour de formation puisque le départ ici n'est pas arrêté, mais eh bien... lancé, et on est avec Cyril Renault qui se retrouve bon dernier sur ce coup-là, et le peloton qui va passer pour voilà le tour de formation. Oh, alors qu'on vous a remis une mauvaise image là.
navré pour cela. Il y a eu une petite erreur du côté de la réalisation. Ah oui, évidemment, les bindings de touches, c'est parfois compliqué. Et donc, les pilotes qui quittent le premier secteur. Alors, on va pouvoir prendre le temps de bien vous expliquer la grille de départ. Avec donc en pole position, Benoît Dauber, 4 minutes 4 secondes. Quasiment une seconde d'avance sur Anthony Yates. Les deux pilotes de tête sont dans deux spécificités de gomme différentes. Les intermédiaires pour le poleman, les pneus slick pour le pilote à ses côtés. La première des Corvette, celle de David L'Espèce, est troisième. Et elle partira avec des pneus intermédiaires, tout comme Olivier Vignon, qui lui sera quatrième et première Ferrari. Devant Jérôme Chevasson en pneus intermédiaires et Simon Pirard. Alors quant à Simon Pirard, il est en pneu médium, Simon Pirard. Les pneus durs pour Fabrice Piaia. Et oui, regardez, on va déjà chercher l'eau hein, dans ce tour de formation. Romain Thomas est 8e avec des pneus intermédiaires devant les pneus durs de Pascal Cartier. Sébastien Garcia qui ferme le top 10. Et regardez ce qui se passe dans cette ligne droite des Hunaudière. Il pleut alors que certains pilotes sont en pneus slick. Ça nous promet des premiers tours de course assez mouvementés. Restez avec nous. Et là, eh bien, bonne, ceux qui ont choisi les pneus intermédiaires. Et c'est Cyril Renault qui reste calé à l'entrée des boxes. Et bien voilà, il pleut des cordes. Et donc, tous ceux qui sont en pneus slick vont souffrir ce soir. Alors, navré, oui, pour la petite incartade de la Porsche Super Cup. Ça devient de la publicité subliminal. Et bien voilà, Benoît Dauber qui se retrouve devant. Et forcé de constater là que personne n'a tenté le coup des pneus pluie. On va vérifier ça à l'instant. Alors le type de pneus choisi, vous pouvez le voir sur le flanc des pneus, même si là ça n'est pas évident. On verra ça peut-être un peu mieux du côté du freinage, pardon, de Mulsanne, où les pilotes devraient arriver d'ici quelques instants. Voilà les leaders qui arrivent. On va peut-être pouvoir voir un petit peu mieux les spécificités de pneus de chacun. Et à ma connaissance, personne n'a opté pour les pneus pluie. Ah, peut-être qu'une Ferrari là est en pneus pluie. Peut-être que la première Ferrari qui est passée, elle était en pneus pluie. Je ne suis pas sûr de ça. Il va falloir qu'on se tienne à carreau. Et non, personne n'est en pneu pluie. Donc ils vont tous partir avec les mauvaises gommes. Et oui, l'audience qui souffre de la concurrence. Effectivement. Et Cyril Renault qui est donc bien DNF. L'abandon pour Cyril Renault. Qui aurait visiblement été retourné au box. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour lui. En tout cas, la pole de Benoît Dauber, elle est bien là. Mais regardez les conditions dans lesquelles ils évoluent. Et là, c'est pas facile, je peux vous dire, de mettre la voiture dans le bon sens. Ils arrivent du côté du virage d'Indianapolis. Pour l'instant, ça passe pour tout le monde. On est très prudent parce que là, on n'a pas les bonnes gommes pour beaucoup. Hein. Beaucoup sont en pneus slick sous la pluie. Et là, les trompes d'eau qui arrivent. Et oui, 13 km, c'est très long. Hein, la mise en grille. On vous avait prévenu, 90 minutes de course et il va s'en passer. Hein. Alors, du coup, au niveau des pneumatiques, on va aller faire un petit point pneus en tête. Dans ce tour de formation, évidemment, les pneus intermédiaires pour le poleman, les pneus slick pour Anthony Yates, les pneus intermédiaires pour David L'Espèce, les pneus intermédiaires, je pense, pour la Ferrari. Ça risque d'être difficile tout cela. Les pneus intermédiaires pour la Ferrari, les pneus intermédiaires pour ces voitures-ci. Simon Pirard, lui, est en pneus slick. Allez, on se... Oh, le contact! C'est sous la pluie que Simon Pirard est allé percuter un petit camarade. Attention, on vous avait dit la distance entre les pluies et les slicks allait commettre quelques impairs. Alors, on arrive du côté des S-Porsche. Il va falloir maintenant se regrouper. Mais regardez comment ce départ va-t-il être donné. Ça va être chaud. Ça va être très très chaud, messieurs, avec... Le choix des pneus qui va donner une réelle loterie. J'espère sincèrement qu'il n'y aura pas de problème et qu'on pourra partir d'ici quelques instants. 33 secondes. On est toujours sous la direction du poleman Benoît Dauber.
Allez, il va falloir remonter en deux files là, messieurs. Ça traîne la patte un petit peu là derrière. Alors, on est du côté des virages du karting maintenant. La pluie qui tombe à quelques secondes du début de l'épreuve. On passe soigneusement en rang. Les pilotes qui arrivent ici dans la dernière chicane et on va pouvoir lancer les hostilités ici sur le circuit du Mans. Et ça rentre, évidemment, ça va rentrer pour déjà changer les gommes. Impossible de poursuivre dans ces conditions. Et donc Benoît Dauber qui se retrouve seul sur la première ligne, ça va être compliqué. Et ça va lancer d'ici quelques instants au passage de la ligne. Voilà, c'est parti pour cette épreuve ici. Sur le circuit du Mans, en tête, Benoît Dauber seul, puisque les autres pilotes stoppent pour des pneumatiques. Et c'est parti, on se lance à l'assaut de la butte Dunlop, à bord avec Olivier Vignon. Troisième, et on est très prudent pour tous ceux qui optaient pour des pneus intermédiaires. On est avec Romain Thomas, et on est sur des œufs évidemment, pour l'instant. Et regardez, regardez le nombre de voitures qui sont au box. Incroyable, on a quasiment la moitié du peloton qui va déjà être disséqué et dissocié surtout du reste de la meute. Incroyable ce qui se passe. Anthony Hans qui sera forcément le premier à repartir. Devant, c'est très serré avec les BMW qui s'expliquent. On est avec Julien Rosé qui tente de prendre le top 5 à la voiture numéro 14 de Jérôme Chevasson. Le contact quasiment dans la ligne droite, ils sont à 3 de front. Et les pilotes BMW, alors il va falloir freiner. Mais là ça ne passera pas, ils sont à 3 là, carrément. Attention à ne pas refermer pour Romain Thomas qui s'impose dans cette première ligne droite. Attention au freinage, ça va être délicat, il y a un peu plus d'eau à l'intérieur. Et les trois pilotes qui parviennent à s'entendre et à passer la première chicane des... Zunodière, moitié au stand. Il va falloir jouer de stratégie maintenant et être le plus malin avec la météo si on veut s'en sortir. Mais tous ceux qui ont opté pour des pneus slick ont pris la mauvaise solution. On va déjà chercher l'eau puisque la trajectoire sèche. L'averse a été assez courte, mais assez pour demander à certains pilotes de stopper. On est reparti pour tout le monde en intermédiaire. Non, Pascal Cartier a opté lui pour des pneus pluie. Alors que Ludovic Ferru peut enfin quitter la piste des stands. Et les trois BMW qui continuent leur lutte acharnée. Alors un petit peu de lag dans cette partie-ci du circuit, navré pour cela. Mais quel départ pour l'instant avec donc la moitié du peloton. Resté au box, 55 secondes d'écart entre Gilles Châtelain. 45 secondes d'écart par contre entre Gilles Châtelain et Anthony Hans. Et là par contre il y a beaucoup moins avec Jérôme Chevasson 6ème sous la menace. Jérôme Chevasson à l'attaque du côté du freinage de Mulsanne. Il y a de l'eau là. Hein. Il y a de l'eau dans cette partie-ci de la piste. Julien Rosé 5ème qui, regardez, on ne voit pas grand-chose. Hein. Les pilotes qui sont obligés d'allumer évidemment leur phare et feu pour voir quelque chose dans cette épreuve. Et on est parti, dites-vous, pour 1h30. Pour l'instant, c'est très serré derrière avec Pascal Cartier aux prises avec Simon Pirard. Oh, et devant, attention, premier freinage du côté d'Indianapolis. Et pour l'instant, tout le monde s'en sort bien. De retour avec Julien Rosé à l'attaque de Romain Thomas. Oh, on ne va pas y aller là. Du côté, c'est présomptueux, l'attaque de Romain Thomas à l'intérieur. Et il se ravise et il se fait piéger. Évidemment, oui, là, Ferrari qui a freiné en plein milieu de la piste et c'était pas possible à de passer. Là, ils sont côte à côte avec Julien Rosé et Olivier Vignon. Oh, attention, parce que dans les S-Porsche, la BMW a l'avantage en étant à l'intérieur. On va suivre ça depuis le tableau de bord de Romain Thomas. On bat. Les deux pilotes se battent pour une place sur le podium. Le contact à l'entrée des S-Porsche. Et Olivier Vignon qui a perdu du temps. Olivier Vignon qui a perdu du temps. On est avec Jérôme Chevasson, la troisième BMW du Blue Sky Racing amateur.
Et dans les Porsche, ça se passe bien. Premier tour conclu à l'instant par Benoît Aubert en 3 minutes 59. Il fait donc moins humide que ce qu'on a eu en qualification pour Benoît Aubert. Et il est vrai que l'on ne voit pas grand chose ici. On revient sur la lutte devant. Allez, on est avec la Ferrari d'Olivier Vignon qui est chassée littéralement par les deux BMW devant les box. Premier tour couvert ici sur la piste du Mans. Avec donc Benoît Aubert au commandement pour 6 secondes devant David Lespèce. Et on est avec Olivier Vignon, quatrième. Et sa Ferrari, le freinage excellent de la voiture numéro 42. Alors que là, on y va allègrement sur les bords de piste pour la chicane d'Olop. Devant, vous le voyez, peu de monde. Et regardez, on voit la différence de trajectoire. Ah, drapeau jaune dans le premier secteur. Certainement du côté du tertre rouge. Une voiture qui est allée se mettre dedans, comme on dit. Alors, non, c'est parti, navré pour cela. Et Anthony Hatz qui est déjà remonté 9e. Et l'arrêt au box de Simon Pirard. Qui rentre. Et on a la suite des pilotes qui sont là. Pour l'instant, un seul abandon. Et il fait sec. Il fait maintenant sec. Donc les pneus intermédiaires sont pour l'instant, je pense personnellement, le bon choix. Il y a encore beaucoup de zones humides autour de la trajectoire idéale de cette piste du Mans. Oh, le freinage avec deux roues quasiment dans l'eau. Pour Romain Thomas. Et de nouveau un drapeau jaune furtif dans le premier secteur. Oh, et l'abandon de Jérôme Chevasson. Que va-t-il se passer? Oh, bah oui. Effectivement, Jérôme Chevasson qui est allé taper. Et ça va être terminé à l'état conduisible. Ah oui, là, il l'a terminé tout simplement. Jérôme Chevasson qui vient de mettre une voiture dans le mur. Et donc l'abandon pour Jérôme Chevasson, c'est dommage. Devant, la lutte continue. Avec donc Benoît Aubert devant David Lespèce. 7 secondes. Julien Rosé qui suit ensuite la lutte la plus intéressante pour l'instant. C'est celle qui oppose Romain Thomas à la Ferrari d'Olivier Vignon avec qui on embarque. Montez le son. Oui, le freinage qui est très délicat pour Olivier Vignon. Et dans le deuxième tour, Benoît Aubert qui porte son avance à 7 secondes 9 maintenant face à David Lespèce. Il avait dit qu'il se méfiait des Corvettes, il avait raison. Elle est très véloce cette Corvette, quoique elle est sous pression depuis quelque temps. Ça remonte tout doucement pour Julien Rosé. Petit à petit. Et Anthony Hans donc 8e. Mais la course est encore longue, hein, dites-vous. Logan Joyeux 9e, Sébastien Garcia 10e, et il ne pleut plus maintenant, et Simon Pirard qui remonte, lui, avec des pneus pluie. Intéressant de voir comment le pilote BMW se débrouille avec ses gommes. Le freinage de Mulsanne sous le soleil quasiment maintenant, rendez-vous compte. Oh, et la relance, la BMW qui fait la différence face à l'italienne qui ferme la porte, la voiture numéro 26 qui empêche Simon Pirard de profiter de sa meilleure relance. Et le push de Pirard, évidemment, qui ne va pas s'en priver. Et le retour du sec sur la piste du Mans. Mais attention, parce qu'avec les pneus pluie, maintenant, ça va chauffer. Hein, ceux qui sont en gomme pluie, 100%. Ça va devenir difficile, même si là il semble encore avoir l'avantage. Alors que c'est Anthony Hans, le pilote le plus rapide. Avec un 3,55, il est 1 seconde 6 plus vite que Benoît Aubert, le leader. Il faudra surveiller ça.
Allez, là, il ne peut pas l'empêcher. Deuxième fois. Si, il pousse quand même. Incroyable. Fabrice Piaia qui pousse, mais il va falloir aller le faire, ce dépassement. Peut-être à l'entrée des S-Porsche, pourquoi pas. Et Romain Thomas qui passe quatrième devant Olivier Vignon. Et Simon Pirard qui dépose Fabrice Piaia. Alors Romain Thomas, quatrième devant Olivier Vignon. Il y a un décalage entre l'image et le classement. Oh, et le freinage. Absolument magnifique à l'intérieur pour Olivier Vignon. Qui n'a pas dit son dernier mot. Drapeau jaune dans le premier secteur. Drapeau jaune. Que s'est-il passé dans ce premier secteur? Pourquoi y a-t-il drapeau jaune surtout? Nous ici on ne voit rien. Alors, le drapeau jaune. Oh, il manquerait pas un capot sur la voiture de Gilles Châtelain ou c'est sa livrée qui me met en erreur? Je crois que c'est sa livrée. Oh, attention parce que là, c'est assez délicat. Les deux pilotes en pneus intermédiaires ici. Je crois que c'est Logan Joyeux qui avait été tapé. Non, c'est Gilles Châtelain, malheureusement. La voiture 77 qui est allée taper les pneumatiques. Il était en pneus intermédiaires. C'était pourtant les bas de gomme. Et là, pour se sortir du bac à gravier, ça va être un calvaire, mais il va sûrement y arriver. Mais la course du jour est terminée pour Gilles Châtelain. La voiture numéro 77. Ah, il va certainement faire beaucoup de mal à son moteur en voulant ressortir de là. On va vous épargner la caméra embarquée. Et Benoît Dobert qui améliore, évidemment, au fur et à mesure des tours, puisque cette piste du Mans est en train de sécher. Alors, va-t-on assister à des arrêts au box? Assez intéressant. Et Gilles Châtelain qui vient de rendre les armes. Troisième abandon de cette épreuve du Mans, avec donc, après Cyril Renaud, et la sortie dans la première chicane de Jérôme Chevasson sur une piste changeante. C'est maintenant Gilles Châtelain qui s'est fait piéger. Son bolide était pourtant chaussé et des bonnes gommes. On remonte le classement. On reste avec Benoît Dobert en intermédiaire qui est pour l'instant très à l'aise dans les S-Porsche. Ça va comme si on était sur du sec, quasiment. Quand on vous disait que dans cette version du Mans, il n'y avait pas de place à l'erreur, il n'y a pas de place à l'erreur. Regardez bien. Il n'y a que des bacs à gravier et que des murs qui entourent cette piste, la rendant bien plus délicate. Un tour supplémentaire pour le leader, avec les pneus intermédiaires. Et Anthony Hans qui remonte, évidemment, tout comme ses petits camarades qui avaient stoppé lors du premier tour pour monter les bons pneus. Allez, David L'Espèce, sous la pression, on joue la deuxième place avec David Rosé, deuxième. Il y a définitivement un décalage. On va donc voir le dépassement, alors qu'Anthony Hans est en train de signer le meilleur tour. On va observer le dépassement qui va offrir la deuxième place à Julien Rosé. Un léger décalage d'une quinzaine de secondes, ce qui n'est pas normal puisqu'on avait justement reculé, empêché ce décalage. Et le freinage du côté de la chicane, et ça part large, ça part très large pour David L'Espèce qui ne prend donc aucun risque et qui se retrouve troisième. Anthony Hans lui conclut un nouveau tour. Et oui, la pluie qui n'aide pas les pilotes à 1h15, bientôt de l'arrivée. Et drapeau jaune dans le premier secteur de cette épreuve du Mans. Attention, on va aller jeter un petit coup d'œil. On va bien savoir ce qui s'y est passé dans cette épreuve. Et serait-ce dû à Olivier Vignon? On va suivre ça, le drapeau jaune. Et Simon Pirard qui passe 9e. On va vivre ça aussi en direct d'ici quelques instants.
Et bien voilà, Olivier Vignon qui s'est loupé au freinage. Oh, et qui en tentant de rejoindre la piste est parti en tête à queue. Et Thomas Pinotto qui arrive. Oh, et qui va savoir sûrement en profiter, Thomas Pinotto. Et oui, la différence est tellement grande. Ah, il peut faire ce qu'il veut là, mais là, l'Aston Martin est passé. En ce qui concerne Simon Pirard, on le voit ici à la lutte. Il va aller chercher peut-être, voilà, à l'instant, la voiture de Sébastien Garcia pour glaner la 9e place. Alors que derrière, il y a encore de l'explication. Les rythmes qui changent en fonction des pneumatiques. Et on voit des pilotes qui évoluent encore sous des pneus pluie. Oh, attention, Fabrice Piaia! Le premier virage est loupé pour le pilote Ferrari. Et Benoît Dobert, toujours solide leader, avec maintenant 15 secondes d'avance sur Julien Rosé et David Lespèce. Le meilleur tour en course pour l'instant, 3,54,816. C'est Anthony Jans, le meilleur pilote de cette session de course. Ah, le retour peut-être d'Olivier Vignon, en caméra embarquée avec la Ferrari, qui va tenter dans l'eau de faire la différence. Oh, ils sont à deux de front là, avant d'aller du côté d'Indianapolis. Et à l'avantage de la Ferrari, avant même le droit d'Indy. Et pourquoi cette version du Mans? Pourquoi? Parce qu'elle est plus technique, plus difficile et surtout compatible et beaucoup plus stable. Il existe une version plus récente, mais pas excellente. C'est pour cela que l'organisation s'est dirigée vers cette version-ci. Plus technique, plus exigeante et, à mon goût, plus authentique. Et un nouveau tour couvert pour Benoît Dobert, leader de cette épreuve française. Et on ne va pas encore chercher l'eau du côté du leader. Ça reste assez humide pour lui. Julien Rosé également. Les BMW qui se sont bien installés, puisque David Lespèce a cédé sa deuxième place. Et Romain Thomas également, qui poursuit avec les gommes intermédiaires. Oh, et la petite erreur d'Olivier Vignon. Et Thomas Pinotto, pardon, qui est repassé, alors qu'Olivier Vignon avait pris la mesure du pilote Aston Martin il y a de cela quelques virages. Le tertre rouge qui aura causé pas mal de soucis. Côté de la chicane Dunlop maintenant, 5e tour couvert pour les leaders. 13 secondes d'avance sur Julien Rosé. Rendez-vous compte. Alors, Simon Pirard qui lui, je crois, est encore en pneu pluie. À moins que mes yeux me jouent un mauvais tour, mais je crois que c'est encore des pneus pluie pour effectivement Simon Pirard. Et ça lui permet ces pneus-là d'attaquer allègrement avec les vibreurs. Et on est en 4-0-1 pour Ludovic Ferru qui améliore bien son chrono. Ça remonte bien pour lui. Et les pilotes qui évoluent correctement, que ce soit en pneu intermédiaire ou en pneu pluie. Allez, on retourne avec Olivier Vignon pour suivre la bagarre pour la 4e place. Et l'attaque d'Olivier Vignon dans la ligne droite sur l'Aston Martin et ça passe. On embarque maintenant avec Thomas Pinotto.
Et oui, c'était peut-être plus évident pour la Ferrari de passer du côté moins humide, et elle souffre par contre dans le troisième secteur où il y a un peu plus d'eau stagnante sur la piste. Ça fait la différence entre les pneus. Effectivement, les pilotes en pneus pluie ne sont pas encore là à aller chercher les zones humides. C'est une très bonne remarque. Alors, on arrive dans le secteur que la voiture de Olivier Vignon n'améliore pas depuis quelques tours et n'apprécie pas. Et Julien Rosé qui fait un très très beau chrono, le deuxième meilleur de la course, David L'Espèce également. On sent que la piste sèche, oh drapeau jaune dans le troisième secteur, on espère que ce n'est pas un des leaders qui est allé le provoquer. Oh ce serait bien Olivier Vignon qui... Eh bien oui voilà, je vous disais tout à l'heure, Olivier Vignon qui souffrait de la pluie dans ce troisième secteur, et peut-être que celle-ci va lui être fatale d'ici quelques instants. On va vivre ça tout de suite. L'entrée DS Porsche, il est un peu large, mais ça va pour l'instant. Que s'est-il passé? Bon, là par contre, il est beaucoup trop large. Il est dans l'eau en pneu intermédiaire. Le changement de cap ici, alors qu'on arrive du côté du virage du karting. Ah oui, il est beaucoup trop large. Olivier Vignon qui va percuter les pneus. Voilà ce qui s'est passé pour Olivier Vignon. La grosse sortie du pilote Ferrari, le mieux placé dans ce classement. Et c'est terminé pour le pilote du team Real Championship. Et malheureusement, on compte donc Olivier Vignon parmi les pilotes ayant abandonné maintenant. Quel dommage pour Olivier Vignon qui a été simplement surpris. L'appui de sa Ferrari a changé dû aux conditions météo. Et malheureusement, c'est le contact. Record du tour, battu à l'instant par Simon Pirard, le pilote BMW qui est le plus rapide pour l'instant. On va vérifier ça d'ici quelques instants avec l'affichage. Et on est quasiment en train de faire des croix à la craie sur les stands ici pour compter le nombre de pilotes qui se sont fait surprendre. Attention, il y a un capot qui traîne sur cette piste. Et Simon Pirard, donc 8ème, le pilote le plus véloce en piste pour l'instant, avec donc un 3,53 à 994. Va-t-on oser chez certains passer directement aux gommes sèches? Et donc pour l'instant, le pilote le plus rapide est en pneu pluie. Voilà Simon Pirard. Au passage du transpondeur. Assez intéressant tout cela. Et Benoît Daubert toujours au commandement. Avec deux BMW pour l'instant sur le podium. Et effectivement, les Ferrari sont peut-être un peu plus en difficulté. On freinait quasiment dans l'eau là pour Sébastien Garcia. Alors, Simon Pirard qui attaque très très fort dans le premier secteur. Alors, on a eu un petit drapeau jaune. Pas de qui il s'agit. Dans le secteur 1, justement. Difficile à savoir, ça. Assez délicat, et pour l'instant, ils ne sont plus que 12, donc. Et maintenant, c'est dans le troisième secteur que l'on va avoir un drapeau jaune. Oh, et drapeau jaune dans le troisième secteur, ça m'inquiète, ça. Hein. Ça m'inquiète beaucoup. Je regarde si un pilote perd du temps. Benoît Daubert, le leader.
dans les S-Porsche. Oh, il y a beaucoup de secondes de récupérer par David L'Espèce. Oh, qui va certainement doubler Julien Rosé, qui risque d'avoir peut-être un souci. Julien Rosé, qui est en train de se battre avec une voiture difficile. Oh, le sous-virage dans les S-Porsche, comme Olivier Vignon. Oh, est-ce qu'il va réussir à la ralentir assez? Le gravier devrait l'aider. Non, il ne va pas réussir à taper le mur des pneus dans les S-Porsche qui sont en train de faire des victimes. Et Julien Rosé qui va réussir à rejoindre la pit lane, mais attention, il était en pneu intermédiaire, donc c'est pas si facile que ça de ramener la bonne trajectoire avec les pneus intermédiaires. On pensait que c'était le bon choix au vu de ce qu'il y a comme quantité d'eau sur la piste sartoise, mais non, ça n'est pas suffisant comme vigilance et l'arrêt au box. Alors peut-être tenter des slicks, ce serait l'occasion maintenant, pourquoi pas. Permettrait de donner une bonne information aux autres. Et David L'Espèce qui est passé devant Romain Thomas également. Les deux pilotes sont donc passés devant Julien Rosé qui était solide second. Et cela met un écart de nouveau un peu plus important. Peut-être une perte de concentration. Mais le sous-virage et la piste qui évolue constamment, c'est difficile de garder un rythme. En tout cas, Benoît Aubert, lui, elle l'a bien instauré dans cette épreuve. Alors, Anthony Yann se poursuivit. Où vient-il de doubler Thomas Pinotto, à savoir... Allez, on embarque avec l'Aston Martin à la chasse. Et effectivement, vous nous le signalez sur le chat, Simon Pirard qui est en train d'aligner les chronos. Et il est en pneu pluie, le garçon. Ça expliquerait beaucoup de choses. On va rejoindre justement, voilà, Simon Pirard. Septième. Extrêmement rapide en 3.53.811 lors du dernier tour avec les pneus pluie. Alors est-ce qu'effectivement il ne faudrait pas garder les pneus pluie? Et pour l'instant il reste sur la trajectoire sèche, donc ça a l'air de bien fonctionner pour la BMW du Team Spirit Racing, qui fait partie de ceux qui sont allés au box dans les premiers mètres, alors que Pascal Cartier est au ralenti. Il est même à un tour. Oh là là, que s'est-il passé? Voilà le leader qui va lui prendre un tour. On voit Benoît Aubert passer. Ouais, Pascal Cartier qui est allé taper. La Ferrari est pliée et blessée. Et il ne va pas tarder à être rattrapé par David L'Espèce. Et maintenant, on peut le dire, c'est entièrement sec, hein, là. Il serait peut-être temps, pourquoi pas, de tenter de monter des pneus durs. Ça serait possible. Alors, Benoît Aubert. Très prudent ici. Regardez, malgré tout, il est à la limite de la perte d'adhérence. Vraiment sur le fil, sur la corde. Et un nouveau tour couvert avec les pneus intermédiaires. Derrière, ça continue pour David L'Espèce. Et au prochain abandon, si abandon il y a, ça nous mettrait tout simplement tous les pilotes dans les points. Attention, Pascal Cartier qui s'écarte et qui va même taper le mur. C'est assez limite là, mais la Ferrari est en crabe. Hein, quoi qu'il arrive, elle est pliée. Simon Pirard qui l'a perdu un peu de temps. Pour la première fois depuis quelques boucles. Julien Rosé arrive aussi du côté
d'Indianapolis. L'écart qui est tombé à une seconde, on va aller voir ça quand même. Entre les deux. Allez, Romain Thomas, peut-être en train de remettre une BMW sur la deuxième marche du podium, alors que nous sommes exactement au tiers de l'épreuve. Il va nous rester, voilà, une heure de compétition. Top, une heure au chrono de l'épreuve. Et nous n'en sommes pas encore au bout. Oh, attention, c'est sorti large pour les deux pilotes du côté du tertre rouge. On observe ça avec Romain Thomas à la chasse, à l'aspiration peut-être pour récupérer la deuxième place à David Lespèce. Ça va déboîter. La Corvette est battue. Est-ce que sur les freins, la BMW peut bien se remettre? Oh, il freine tard. Oh, il allume les pneus! Il a allumé les pneus sur le sec, David Lespèce. Attention à ces pneus intermédiaires qui sont en train peut-être de fondre. Et Simon Pirard qui est rentré dans le rang. Pour l'instant, plus d'amélioration de sa part. Et une seconde entre les deux. C'est serré, c'est très serré. La Corvette C7 qui ne va pas chercher l'aspiration de la BMW, mais bien l'eau sur le bord de la piste. Nécessaire à la tenue de la température des pneus, alors que regardez la BMW, on s'en tire beaucoup hein, sur les pneus. Et 4 minutes 08, ça améliore bien pour Fabrice Piaia, qui améliore ses propres chronos. Et moins d'une heure donc dans cette épreuve, et on a déjà perdu quasiment un tiers du peloton. Un quart, pardon. Et David Lespèce, toujours à la chasse de la BMW. Alors que devant Benoît Daubert, ça ne bouge pas. Simon Pirard, 7ème, qui poursuit, mais qui, comme je vous le disais, est rentré dans le rang. Ça y est, ça commence à aller chercher de l'eau pour les pilotes en pneu pluie. C'est logique, Sébastien Garcia. Ludovic Furuy, 10ème. Et on a un drapeau jaune dans le second secteur. Et je crois que ce serait bien Logan Joyeux qui serait allé nous faire une petite incarta du côté du freinage de Mulzan. On va voir ça tout de suite. Avec Logan. À Mulsanne. Ça glisse, mais rien d'alarmant pour l'instant. Ah non, c'est Thomas Pinotto qui est allé percuter le mur du côté d'Indianapolis. Alors là, Thomas Pinotto qui nous en a fait une belle. Alors en quelle gomme est-il chaussé? Intermédiaire également. Alors, est-ce qu'il y aurait une petite erreur de la part de Logan Joyeux qui arrive avec beaucoup d'aisance du côté d'Indianapolis? Eh bien voilà, c'est à l'envers qu'il termine sa manœuvre. Alors, il peut repartir dans le gravier, ça ne portera pas trop à conséquence. Oh, double tête à queue, ça par contre, ça va être plus compliqué. Parce qu'arrive la BMW de Julien Rosé, voilà. Oh, qui le découvre au dernier moment! Et qui a failli s'empaler la Corvette. Sébastien Garcia qui est un petit peu plus loin, mais Logan Joyeux qui s'est fait une belle frayeur. Et Thomas Pinotto qui va stopper alors qu'il était cinquième. Va-t-on assister au premier changement de gomme pour rentrer les pneus slick? On va suivre ça. Ce serait une bonne opportunité pour se rattraper pour le pilote du GW Motorsport après cette erreur.
Et la Corvette qui a du mal de se remettre en ligne, effectivement. C'était un petit peu tendu cette affaire. Alors, le pilote du GW qui rentre. Simon Pirard, lui, continue l'attaque avec les pneus pluie. Oh, ouf, avec les pneus pluie et avec même un petit peu trop d'aisance là sur la dernière chicane. Je vous laisserai seul juge de la manœuvre du pilote belge. Et effectivement, c'est pas simple avec ces changements et d'adhérence. Thomas Pinotto au box. Qu'a-t-on monté sur cette Aston Martin? Je me le demande. Oh, et de nouveau, Pascal Cartier qui s'est écarté. Voilà, avec dorénavant un tour supplémentaire de retard. Alors, l'arrêt au box, toujours pour Thomas Pinotto. A pas encore remis de capot sur la voiture. On travaille en mécanique sur la belle britannique. Et Sébastien Garcia, 8e, qui passe maintenant. Et ça repart pour Thomas Pinotto. Mais avec quelle gomme? C'est ce qu'on va vérifier d'ici quelques secondes. Alors il chauffe. Attention de ne pas chauffer si c'est des slicks dans la pit lane qui elle est beaucoup plus humide que la trajectoire idéale. Une fois qu'il est sur le rail, ce sera joué. Alors, Thomas Pinotto avec, je pense, des gommes slicks. Ça repart avec des pneus médiums. Effectivement, premier pilote. Alors, on va surveiller les chronos de l'Aston Martin pour voir si c'est la bonne solution. Alors, pour l'instant, c'est délicat. Effectivement, il faut remettre les freins en température et mettre les gommes en température. Toujours un exercice difficile. On espère maintenant pour lui qu'il va se passer quelques minutes avant que la pluie ne retombe. Sinon, ce serait un mauvais choix tactique pour... le pilote Aston Martin, mais pour l'instant, les pilotes les plus rapides ne sont pas en pneus slick, mais bien en pneus pluie avec, à l'image pardon, de Simon Pirard, qui lui avait fait le café, comme on dit. Le voilà, P5 pour l'instant. Anthony Yates, P4, malgré l'arrêt au box. Est-ce que Benoît Dober va décidément continuer? Ou va-t-il opter pour ces fameux pneus médiums que l'on a vu à l'instant chaussés par Thomas Pinotto? Et drapeau jaune dans le premier secteur. Romain Thomas plus qu'à l'attaque dans les S Porsche et dans les S du karting. Benoît Dober en tête. On va voir les chronos. Évidemment, le premier secteur ne sera pas très significatif pour nous du côté du pilote Aston Martin puisqu'il est en tour de sortie. Oui, Benoît Dober. Qui passe la chicane sans coup férir. Romain Thomas deuxième et David Lespèce troisième. Drapeau jaune dans le deuxième secteur. J'espère que ce n'est pas un pilote qui s'est fait piéger. Comme Simon Pirard, peut-être. Alors, Anthony Yates, qui, avec ses pneus intermédiaires, y va allègrement. Pas de changement derrière. Et Thomas Pinotto qui teste les limites. Allez, on va repartir avec la voiture numéro 48 qui vient de... La numéro 13, pardon, qui vient de passer. Ludovic Ferrui. J'ai été confus par le sponsor et la livrée hommage à Jimmy Johnson. Alors, Thomas Pinotto. Dans le top 10, avec les pneus slick. Donc pour l'instant, ça semble peut-être être une bonne solution, mais il faut encore tenir la voiture sur la piste. Oh, on est très large. Toujours pas d'arrêt au box pour les hommes de tête. Drapeau jaune dans le premier secteur de ce circuit du Mans.
J'espère que ce n'est pas Simon Pirard parce qu'il tourne du tonnerre comme on dit pour l'instant. Thomas Pinotto qui prend beaucoup de risques, hein, croyez-moi, avec ses gommes slick dans les enchaînements à rapide qui demandent beaucoup d'adhérence et d'appui aérodynamique. La France qui vient de marquer, sans déconner. 89e. Alors, après ce petit point footballistique, on poursuit avec le premier tour, voilà, de Thomas Pinotto avec les pneus slick. Voilà, c'est ça que l'on va devoir prendre comme référence maintenant. Le tour qu'il entame maintenant, voilà. Pour l'instant, son tour n'était pas folichon. Et là, il va pouvoir peut-être, avec des gommes chaudes, attaquer véritablement un premier tour chrono. Ah, et bien non, et le mur ! Thomas Pinotto qui percute les pneus au moment où il entame la chicane Dunlop. Et donc, les pneus slick ne sont toujours pas la bonne solution, visiblement. Au changement de cap, c'est compliqué. Oh, et en intermédiaire, Fabrice Pellia qui est également un petit peu en difficulté. Ils ne sont plus que 12. Et en tête, inarrêtable, 30 secondes d'avance, Benoît Daubert, Romain Thomas deuxième, David L'Espèce troisième, qui ne lâche pas prise, hein, il la veut cette deuxième place, il peut aller la chercher. Anthony Jans est quatrième, c'est pas mal après un début d'épreuve compliqué. Benoît Daubert, à la chicane, Dunlop. Ça y est, Simon Pirard qui rentre au box. On va le voir d'ici quelques instants. Les pneus pluie sont au bout et il va chercher l'eau. Ça va donc stopper logiquement pour le pilote belge. Alors, va-t-il tenter le coup avec des pneus slick? Ce serait le deuxième après Thomas Pinotto. Oh, et qui vient de nouveau de rater une chicane du côté de la ligne droite. Donc, je pense pas qu'il va falloir prendre les slicks tout de suite. Est-ce qu'on remonterait un train d'intermédiaire du côté du pilote BMW? En tout cas, Benoît Daubert au commandement, ça ne bouge pas. Et on suit Simon Pirard qui va rentrer au box à la fin de ce tour en caméra embarquée. Et voilà où ça s'arrête, un rendez-vous compte pour la BMW. Et on chausse de nouvelles gommes sur la bavaroise. On verra ça d'ici quelques instants. Julien Rosé, quant à lui, passer évidemment. Logan Joyeux va passer jusqu'à Ludovic Ferruy. Et Pascal Cartier qui poursuit son épreuve avec, je crois, maintenant des pneus durs, à moins que ça m'ait échappé. Est-ce qu'on est toujours avec des pneus? Oh, bah oui, on est en pneus durs. La preuve, avec le coup de raquette sur la Ferrari. Ah oui, la répartition des freins qui n'est peut-être pas idéale. Avec les gommes sèches. Alors, on a eu un léger drapeau jaune dans la ligne droite des stands Sébastien Garcia. Un drapeau jaune dans la première section de cette piste du Mans. Et Benoît Daubert qui poursuit
Et je pense que ça va rentrer au box pour Benoît Daubert à la fin du tour. On reste avec le leader, profitez et montez le son. L'arrêt du leader. Sa boxe pour Benoît Daubert. Alors, les deux pilotes qui avaient changé leurs pneus étaient Thomas Pinotto et Simon Pirard. Maintenant, Benoît Daubert rentre. Romain Thomas va également assister à un arrêt au stand. On ne sait pas encore les gommes qu'ont monté les deux pilotes. On va les découvrir dans quelques secondes. Et tout cela nous laisse donc avec David L'Espèce au commandement. Il va passer la pit lane. Voilà, il est maintenant bien en tête. Et drapeau jaune dans le premier secteur. Je ne sais pas de qui il s'agit. Je ne sais pas si c'est un pilote qui est reparti. Oui, je crois que Pinotto va rentrer. Ce n'est pas Thomas Pinotto qui a de nouveau été dans la voie des box. Oui, Thomas Pinotto qui re-rentre. Va-t-il remonter des intermédiaires? Peut-être tout simplement pas roulable. Hein. Peut-être pas chercher plus loin. Alors David L'Espèce avec ses pneus intermédiaires qui continue. En gomme intermédiaire, deuxième place pour Anthony Jans maintenant. Également en intermédiaire. Oh, ça glisse beaucoup pour David L'Espèce. Et il se lance dans la ligne droite des Unodières. Donc ça ne semble pas être un problème pour lui. Alors, Benoît Daubert, notre potentiel leader, qui repart avec des pneus slick. Les pneus médiums pour Benoît Daubert. Attention, parce que là, c'est un pari très risqué. Et donc L'Espèce au commandement avec des intermédiaires. Deuxième, Jans avec des intermédiaires. Troisième, Benoît Daubert. Toujours ce drapeau jaune dans le premier secteur, mais on ne sait pas. Oh, et bien voilà, Simon Pirard avec les pneus slick. Dans le premier secteur, Pirard qui est allé taper du côté, je crois, du tertre rouge. C'est le troisième pilote ce soir. La BMW qui est arrêtée. On en était au droit de Mulsanne, pardon. C'est du côté de Mulsanne. Et c'est terminé pour Simon Pirard. Alors qu'il faisait une remontée. Est terrible, le pilote belge qui a monté les slicks, il n'est donc pas assez tôt pour les slicks. Malheureusement, alors tous ceux qui ont tenté les slicks se sont ravisés. Peut-être Fabrice Piaia est en intermédiaire et lui est allé percuter le mur. Et c'est terminé pour Simon Pirard qui va donc abandonner. Voiture complètement détruite. Incroyable, la BMW qui est allée percuter les pneus, et on est passé en pneus tendres du côté de Thomas Pinotto, tant qu'à faire. Eh bien, il sera bon de faire un point avec donc David L'Espèce en pneus pluie et non en intermédiaire tout à l'heure. Les intermédiaires pour Julien Rosé. Et qui est troisième dans l'histoire du coup? Alors, drapeau jaune évidemment à la sortie de Mulsanne, puisque la voiture de Simon Pirard va être bientôt retirée. Simon Pirard à l'abandon donc, et deuxième place pour Anthony Jans, qui revient du Diable Vauvert pour prendre pour l'instant les points nécessaires. À la fin du tour, ce sera l'arrêt au box pour David L'Espèce. Benoît Daubert, troisième, à lui déjà stoppé, est en pneu slick et tourne pour l'instant correctement. Et oui, la météo qui est traître. Et oui, c'était pas assez tôt, très bonne blague. Et 40 minutes au chrono de l'épreuve. Et Romain Thomas, quatrième. Et de nouveau drapeau jaune dans le premier secteur. Est-ce que quelqu'un se serait fait piéger? Arrêt au box pour Fabrice Pierre. Ils ne sont plus que 10 maintenant. Et arrêt au stand également, je pense, pour Anthony Jans d'ici quelques instants. Anthony Jans en intermédiaire qui n'a pas encore stoppé.
Et tout cela va permettre à Benoît Dobert de récupérer la tête de cette épreuve. Sébastien Garcia qui sort des box. A-t-on monté des intermédiaires par sécurité ou est-ce qu'on a opté pour les slicks déjà? Et on est reparti en intermédiaire pour Sébastien Garcia qui reste sage. Il reste même très très sage. Alors Thomas Pinotto 9e, Simon Pirard à l'abandon évidemment. Et ils sont deux maintenant à avoir pris un tour de retard par rapport au leader. Un leader que l'on va voir, voilà, rentrer au box. David Lespès qui va donc céder le commandement de l'épreuve, tout logiquement. Anthony Hans qui devrait normalement suivre et ainsi retomber dans la hiérarchie, je crois, au 5e rang. Et David Lespès en tête, qui stoppe à l'instant. Pirard qui est donc bien maintenant considéré comme étant à l'abandon. Et Benoît Dobert, avec les pneus slick, qui fait une course solide et qui pourrait ramener les points de la victoire à moins de 40 minutes maintenant de l'abaissement du drapeau à damier. La BMW semble inarrêtable de tout temps, de toute météo. Allez, Anthony Hans qui boxe. Lui aussi. Et ça repart pour David Lespès. Va-t-il regarder? Oh, est-ce que David Lespès peut prendre la tête? Oh, ça c'est intéressant. David Lespès qui va prendre le commandement à la régulière. Regardez dans le fond de l'image. On va voir si on peut apercevoir. Voilà, David Lespès qui sort. Qui passe sous notre caméra. Et Benoît Dobert vient de perdre la tête de l'épreuve pour à peu près 7 à 8 secondes. Voilà, le voici, Benoît Dobert qui passe donc second de cette épreuve du Mans. Et la troisième place pour qui maintenant? Romain Thomas avec la BMW. Alors que ça ressort pour, je crois, Sébastien Garcia, la voiture numéro 26. C'est Fabrice Piaia, pardon. Et attention au drapeau bleu. Pas facile de s'écarter avec les gommes slick sous la pluie pour les pilotes retardataires. Et donc Romain Thomas, 3ème, 4ème place pour Logan Joyeux et 5ème Anthony Hans. Logan Joyeux qui revient de très très loin et qui est donc 4ème. Belle performance du pilote qui place donc la 2ème Corvette après la tête pour celle-ci. Celle de David Lespès, mais pour peu d'écart face à Benoît Dobert. Romain Thomas, troisième. Oh! Ah oui, j'ai compris pourquoi ça crée un décalage maintenant, merci. Romain Thomas, donc troisième. Oh, drapeau jaune dans le premier secteur, qui est allé nous faire une petite petite bêtise. Comme dirait notre ami Bas Leenders, une petite bêtise. Pour qui? Alors, il y a une petite incartade pour un pilote de tête qui est S dans le premier secteur. Alors, David Lespès n'a quant à lui pas bougé. Benoît Dobert non plus. Romain Thomas non plus. Logan Joyeux. Quatrième. Cinquième place pour Anthony Hans. Et l'arrêt de Ludovic Ferrui, alors qu'il était septième. Ça va peut-être permettre à Sébastien Garcia de revenir. On voit que les bords de piste sont encore assez gorgés d'eau. Et qu'il ne faut pas grand-chose pour aller hors trajectoire y mettre les gommes. Et la motivation évidemment pour le Blue Sky Racing qui pourrait mettre 3 voitures sur le podium, mais il faudrait pour cela que David Lespès rencontre un souci. On ne le souhaite pas évidemment. On reste neutre évidemment en tant que diffuseur, on ne va pas prendre parti. Ça n'aurait plus de sens. Et l'arrêt de Sébastien Garcia et la piste qui est maintenant vraiment, vraiment sèche. Oh, tête à queue pour Thomas Pinotto de nouveau du côté de Mulsanne. Et l'Aston Martin numéro 80 avec les pneus super tendres qui peut repartir. Attention, il y a encore de l'eau là. Mais ça repart.
Et donc David Lespès au commandement. Devant Benoît Daubert. Romain Thomas, troisième. Et quatrième, Logan Joyeux. Avec, dans la même image, Anthony Jans, avec qui on embarque maintenant sur la piste du Mans. Et c'était donc la fin de cette piste des 24 heures du Mans. Alors que ça rentre pour Logan Joyeux. Peut-être un mauvais choix de gomme pour le pilote du Blue Sky Racing. Ah, évidemment. Alors David Lespès toujours leader, mais Benoît Daubert qui revient petit à petit. Romain Thomas 3ème, également pour le Blue Sky Racing. Et Anthony Jans qui doit sauver les couleurs du Team Spirit Racing. Et Logan Joyeux. Visiblement, qui aurait abandonné. Que va-t-il se passer? Drapeau jaune. Enfin, lumière jaune, pardon, à la sortie des box. Drapeau jaune dans le troisième secteur. Attention. Alors, Logan Joyeux. Oh, ça sent la déconnexion, effectivement. Ça sent la déconnexion du côté de Logan Joyeux. On ne va pas rester sur lui pour éviter les soucis. Alors Thomas Pinotto qui continue avec des pneus slick. Et si ça se confirme, ça pourrait bien être... le passage sous le nombre de 10 voitures encore en piste, alors qu'on est dans quelques secondes maintenant aux deux tiers de cette épreuve. Il va nous rester 30 minutes à parcourir et on ne sait même pas s'il y aura encore des voitures à l'arrivée. En tout cas, tous ceux qui sont en piste maintenant sont sûrs d'au moins prendre un point, ça c'est clair. Est-ce que Benoît Daubert peut aller rechercher la tête de course, sincèrement? Il a des pneus plus frais. Possible. Mais David Lespès a stoppé plus tard et surtout est monté en intermédiaire. Alors que Benoît Daubert lui est en pneus slick. Donc s'il pleut, avantage à David Lespès qui pourra se défendre pendant peut-être plus longtemps que son adversaire direct. Et ça pourrait ramener une victoire à la Corvette numéro 51. Et les voitures numéro 51 au Mans, ça nous rappelle les Dodge Viper Oreca de l'époque, qui avaient effectivement une livrée assez similaire, rouge et bleu.
ensuite les livrées rouges, puis les livrées aux couleurs d'un célèbre simulateur de course automobile japonais. Commençant par Grand et finissant par Turismo. Je vous laisse chercher la suite. Et Benoît Dober qui ferme le gap. C'est impressionnant avec les gommes slick. Allez, ça repart visiblement une reconnexion pour Thomas. Pour Logan Joyeux. Un tour des hommes de tête. Et également une livrée aux couleurs américaines, un bleu, blanc, rouge qui avait été faite effectivement du côté d'Oreca. Alors, Anthony Yans. Oh, le tête à queue d'Anthony Yans, mais il ne touche rien. Attention à se remettre dans le bon sens de la marche pour le pilote belge, le leader du championnat. Surpris par le retardataire devant lui. Et à moins de 30 minutes de l'arrivée, c'était pas prévu. Le voici, Logan Joyeux sans capot avant, après une reconnexion. De retour dans la course, Fabrice Piaggia 9e et 8e pardon, et Thomas Pinotto 9e. Peut-être un souci à venir pour Logan Joyeux, qui est mentionné derrière les deux pilotes qui sont actuellement derrière lui en piste. Est-ce que cette Corvette va subir des soucis, éventuellement à cause de ce capot manquant? C'est un élément aérodynamique très important, évidemment. Et on est très tendre sur l'accélérateur, vous l'avez entendu. On ne cherche pas à jouer les chefs du côté de la Corvette. Oh, est-ce qu'il ne manquerait pas un capot aussi à Ludovic Ferrui, décidément. Les Corvettes sont en solde sans capot. Qu'est-ce qui se passe sur cette piste du Mans? Alors, David L'Espèce est une Corvette qui, elle, fonctionne très bien et avec un capot. Logan Joyeux à Mulsanne, ça passe. C'était bien Fabrice Piaggia qui a surpris, je pense, Anthony Yans tout à l'heure. Oh, c'est assez instable là, pour Thomas Pinotto. Et drapeau jaune dans le troisième secteur. Attention, ça peut être un des pilotes de tête. Oh, est-ce que Benoît Dober n'aurait pas pris la tête suite à une petite erreur de David L'Espèce? Je crois que c'est ce qui va se passer puisque Benoît Dober est mentionné est leader chez nous. Alors justement, on ne va pas suivre Benoît Dober, mais on va bien suivre David L'Espèce. Peut-être ce fameux droit dans les Porsche ici, qui a posé tant de soucis à beaucoup, bon nombre de pilotes. Est-ce qu'il y a sous-virage? Non, pour l'instant. Et Benoît Dober est toujours derrière. Que s'est-il passé pour David L'Espèce se faire dépasser de la sorte? Il a pourtant une avance tout à fait honorable. Et il est en pneu intermédiaire, donc plus à même de résister en cas de perte d'adhérence que la BMW derrière lui. Ah, mais il est très mal ressorti là de la chicane. Allez, on embarque avec Benoît Dober. Bon, s'il ose aller faire les freins, ça peut faire la différence. Alors, attaquer sur cette piste humide en slick, je pense pas que ce soit le moment. Et bonsoir à ceux qui nous rejoignent pour la fin de cette épreuve française des GTE Series au Mans, avant la trêve estivale et le retour de ce championnat au mois de septembre. Alors, le dépassement de Benoît Dober, va-t-il réussir à s'emparer de la tête face à la Corvette numéro 51? Sous pression, la Corvette qui a fait une petite erreur, effectivement. La BMW qui va y arriver. Avec son moteur dans la ligne droite, face à la
puissante américaine avec deux roues dans l'herbe. C'est passé. David L'Espèce maintenant à la chasse. Et il va petit à petit perdre quelques secondes. Et bravo pour cette manœuvre à Benoît Daubert qui prend donc ce qui lui avait été chippé il y a quelques minutes, la tête de cette épreuve ici au Mans à 25 minutes de la fin de la course. Et Julien Rosier, 5e, c'est rentré au box pour, je dirais, Logan Joyeux, par a fortiori. À vérifier. On me dit pas qu'il repleut dans ce premier secteur. Oh, Thomas Pinotto, nouvelle embrassade avec les pneus, serait-on tenté de dire, avec un nouvel arrêt au box. Alors ceux qui arrivent sur le chat et qui disent Yann, Yann's pas top en étant P4, faut savoir que Yann's revient de très très loin. Et que s'il arrive à ne serait-ce que terminer dans le top 5, ce serait vraiment un week-end bien sauvé après le départ sous la pluie avec des pneus slick. On avait le peloton qui avait complètement été divisé en deux. À cet instant-là. Ou est-ce qu'il n'y aurait pas une petite incartade de Romain Thomas dans le bord de piste? Parce qu'au niveau du chrono, ça bouge beaucoup. En tout cas, il y va sur les vibreurs. Et donc, Benoît Daubert maintenant bien installé en tête. Et drapeau jaune dans le troisième secteur. Est-ce que Romain Thomas a été à la faute? Où est-ce David L'Espèce, peut-être? Alors, Romain Thomas, troisième. Ah oui, voilà. Freinage très tendu. Et Romain Thomas qui glisse beaucoup, hein. Ça, c'est indéniable. Elle glisse, cette BMW. Et il perd quasiment une seconde à chaque fois. Alors. Les deux roues dans l'herbe derrière pour la Corvette. Faut de la correctionnelle là. Et Logan Joyeux effectivement qui est allé titiller le bac à gravier du freinage d'Indianapolis. Alors que devant, bah Benoît Daubert déroule, il n'y a pas d'autre terme. Anthony Hans, quatrième donc, avec la Z4. Elle est sèche hein, cette piste du Mans maintenant. Et on appréciera l'arrêt au stand de Fabrice Piaia. Suite à ceci, une escapade dans le bac à gravier. Et une voiture sur trois roues. Je pense. Alors qu'il est quand même en intermédiaire, donc... C'est assez bizarre de voir des pilotes bien tournés avec des slicks et d'autres en difficulté malgré les pneus intermédiaires.
Et oui, voilà, il n'y a que 3 roues sur cette voiture numéro 26 maintenant. Il va falloir la ramener. Vous êtes à bord de l'italienne. Vous voyez que c'est un petit peu faussé au niveau de la direction. Et 20 minutes. 20 minutes dans cette épreuve. Et Fabrice Piaia qui rentre au box. Doucement. Mais sûrement pour aller peut-être remonter une nouvelle paire de pneus. En tout cas, devant un drapeau jaune. Pour qui était-ce ? Un drapeau jaune dans le premier secteur, donc je ne sais pas à qui on doit l'octroyer. Ah ! Oh ! Oui ! Ah bah oui, ah bah Thomas Pinotto là qui est rentré dans le mauvais sens dans les chicanes du troisième secteur. Nouveau séjour dans le bac à gravier pour l'Aston Martin numéro 80 qui peut néanmoins reprendre sa route. Et ben dites-moi, ce changement de météo qui aura donné du fil à retordre à beaucoup de pilotes. Benoît Dober toujours en tête. Alors que ça part par le salaire de sportif sur le chat, pourquoi pas. C'est vrai que certains talents n'ont rien à envier. Certains talents du sport auto n'ont rien à envier au monde du football. En parlant de talent, celui de Benoît Dober s'exprime depuis maintenant plus d'une heure dix avec 18 minutes au chrono et un nouveau tour entamé, le 18e de cette piste du Mans. David L'Espèce deuxième alors que ça ressort pour une Ferrari qui n'a pas tout remonté. Alors là on a mis ce qui restait dans le fond du paddock en termes de pièces en carbone. Et je crois que c'est Olivier Vignon qui repart. C'est une Ferrari rouge que je semblais connaître. Non, c'est la voiture numéro 26, évidemment, de Fabrice Piaia qui est allé taper et qui là va couper complètement. Ouh là là, juste sous le nez de Romain Thomas. Effectivement, la voiture a beau être réparée. Oh, et la sortie de Ludovic Ferrui. Est-ce qu'il va taper? Oui, malheureusement. Et le gros contact avec Ludovic Ferrui impliqué dans cette sortie. La Corvette qui est allée tout droit à la chicane Dunlop. Et il va falloir maintenant faire un tour complet de cette piste du Mans. Avec une voiture dans cet état, ça risque d'être assez compliqué à voir. Alors qu'on a vu passer, je pense, le leader. Ah non, c'est une autre BMW. Ça doit être, voilà, Anthony Jans. Qui revient sur la Corvette. Qui la double alors que là il y a dû avoir une petite goutte sur la tempe du pilote belge parce que c'était très très serré. Thomas Pinotto 8ème après vous l'avez vu, un petit passage par le bac à gravier. 10 pilotes. Oh, et Logan Joyeux qui a abandonné. Et Logan Joyeux qui va décidément ne pas avoir de chance et se retirer. La voiture numéro 15 qui signifie un nouvel abandon. Ils ne sont plus que 9 en piste. Rendez-vous compte, ils ne sont plus que 9 à rouler. Et c'est dans ce genre d'épreuve que les pilotes peut-être les moins véloces ou les plus neutres eh bien peuvent tirer leur épingle du jeu et sortir quelques points qui les mettraient un peu mieux dans la hiérarchie globale de ce championnat. C'est le cas, sans dire de bêtises, de Fabrice Piaia par exemple, ou encore de Thomas Pinotto. Avoir des opportunités comme ça de terminer dans le top 10, comme on a pu le voir lors de la manche qui s'était disputée. Ah, Logan Joyeux qui repart. Décidément, beaucoup de soucis, je pensais qu'il était DNF, donc nous sommes bien toujours 10 en piste, autant pour moi, à un quart d'heure de l'arrivée.
Je crois que c'est deux déconnexions hein, pour le pilote de la Corvette numéro 15 qui repart, vaille que vaille. Eh bien écoutez, tant mieux, on ne va pas l'en empêcher. L'autre Corvette se porte bien, celle de David L'Espèce, malgré les pneus intermédiaires qui sont en train peut-être de surchauffer, mais pas dérangeant outre mesure pour le rythme de David. Romain Thomas, P3, à harnage. Un drapeau jaune du côté du premier secteur. Serait-ce Thomas Pinotto ? On le sait, en difficulté avec les pneumatiques, hein, depuis le passage aux pistes sèches et le manque d'appui dû à la perte de sa lame avant pourrait provoquer quelques problèmes dans le comportement de sa machine. C'est pourquoi... Oh, eh bien voilà ! Ludovic Ferrui. Il arrive à continuer malgré les problèmes rencontrés et le contact avec le mur à la chicane d'Olop. Et il attaque malgré tout. Hein. Thomas Pinotto fait pas semblant. À bord de la Aston Martin. Oh ben voilà. Petite frayeur et passage dans l'eau. Heureusement sans trop de gravité. Fabrice Piaia donc 9ème avec une voiture remise à neuf. Mais avec beaucoup de sous-virages dû à l'absence de la lame avant. Comme on vous le disait. On rafistole les petits bouts. Et on ramène l'auto à la maison. Et là, Logan Joyeux, je pense que maintenant, c'est définitivement terminé. Fabrice Piaia qui va observer un deuxième arrêt. Et Ludovic Ferru qui va donc aussi, je pense, opter par défaut la, par la case, passer par la case des stands. Attention, Sébastien Garcia. C'était large tout ça. Julien Rosé 5ème. Alors qu'il y a drapeau jaune dans le deuxième secteur de cette piste du Mans. Eh oui, l'Aston qui... on n'est pas loin de la perdre, effectivement, l'Aston Martin. Alors, Fabrice Piaia au box. Ludovic Ferrui également. Oh, et le freinage, on a entendu les roues bloquées jusqu'ici dans notre cabine. Pour Sébastien Garcia, alors que je crois que c'est le leader qui lui revient dessus. Et non, de nouveau, c'est Anthony Yann, navré. Alors qu'on est du côté du tertre rouge maintenant. Et Logan Joyeux qui n'est toujours pas considéré comme étant à l'abandon dans cette épreuve. Regardez la différence entre la BMW de pointe et la Ferrari. Et deux milieux de peloton. Il va s'écarter dans l'eau. Drapeau bleu agité par les commissaires tout autour de la voiture numéro 74 qui soulage. Il n'a pas vraiment besoin de soulager tant que ça, mais qui va déjà se blottir. Du côté de la... Oh, ça c'est dangereux ce que nous fait la Ferrari. De Sébastien Garcia, on a eu un petit peu peur là qu'il aille réattaquer. Chien Rosé 5ème. Qui va prendre un tour à Sébastien Garcia évidemment. Ludovic Ferrui qui repart après être passé au box. Thomas Pinotto qui n'était pas très rapide dans ce secteur là. Peut-être une petite incartade avec l'Aston Martin. Non, elle semble toujours en état de fonctionner. Logan Joyeux est de nouveau parmi nous. Après 4 tentatives. Oh, et là ça a bloqué. Fabrice Piaia qui est reparti mais avec des pneus intermédiaires cette fois-ci. Ça peut peut-être créer la différence pour lui avec ses setups. Un instant, eu peur qu'on ait perdu Benoît Daubert, mais ce n'est pas le cas. Il est toujours bien au commandement. Benoît Daubert devant David L'Espèce et le mur pour Romain Thomas. Le mur pour le pilote BMW. Alors qu'il était troisième, Romain Thomas. Et Anthony Yanns qui arrive. Oh, et oui. Et c'est pas fini cette épreuve. Il reste 10 minutes, mais ça n'est pas joué pour connaître le top 3.
Et la BMW numéro 42 qui repart sans capot avant. Il va falloir mécaniquer sur cette Z4 le plus vite possible. Et oui, Yann, ce qui arrive. On va pas se faire prier, Anthony, pour aller chercher un podium. Pour l'instant, il y est. Puisque Romain Thomas va stopper au box certainement pour réparer sa machine après avoir perdu les freins du côté d'Indianapolis. C'était pas le premier à partir à cette manière dans le mur des pneus. Oh, il va encore y mettre deux roues dans la partie humide. Oui, évidemment, elle s'ouvre cette voiture. Et nous retrouvons donc sur le podium Anthony Yans. Rendez-vous compte, à plus de 55 secondes alors que l'épreuve débutait. Et c'est vraiment dommage pour Romain Thomas, l'équipe Blue Sky qui s'effeuille au fur et à mesure des minutes. En tout cas, David L'Espèce est deuxième, mais c'est maintenant le Team Spirit Racing qui va mettre deux voitures sur le podium. Avec l'arrêt de Romain Thomas et le passage, voilà, de Anthony Yans, troisième, avec les bons pneus. Et Julien Rosé, cinquième, va-t-il réussir, pourquoi pas, à aller chercher une position. Sébastien Garcia qui passe, Ludovic Ferrovi toujours avec sa voiture endommagée. Et Thomas Pinotto également, et Logan Joyeux qui est toujours parmi nous. Alors, on remonte dans la hiérarchie avec Benoît Daubert en tête. Incroyable finish de cette épreuve. Julien Rosé qui revient au virage du karting, mais va-t-il avoir suffisamment d'aisance pour passer quatrième? Non. Non, Romain Thomas partira devant lui. Mais il n'y a qu'une ligne droite des stands qui les sépare maintenant. Voilà, on va le voir peut-être au fond. Ah non, on n'a pas eu l'occasion de le voir, mais voilà, il est sorti de la dernière chicane de cette piste. Benoît Daubert au commandement. Alors que pour qualifier Anthony Yans, le terme d'alien vient de nouveau d'être utilisé sur notre chat. Effectivement, il a beaucoup de chance, Anthony. Mais il va falloir encore tenir 8 minutes exactement maintenant avant d'en terminer. Et David L'Espèce, deuxième. Oh, et drapeau jaune dans le premier secteur. Qui est allé nous mettre une voiture dedans? Oh, c'est pas possible, c'est Thomas Pinotto qui est allé percuter les rails. On va suivre ça. Thomas Pinotto qui va abandonner dans cette épreuve, c'est pas possible. Il a été le premier à tenter le coup de monter les pneus secs. Oh, attention là, sur la partie humide. Thomas Pinotto qui se retrouve donc à l'abandon. On va voir ensemble ce qui s'est passé alors qu'il était, je vous le disais, le premier à avoir opté pour les pneus slick mais sans lame avant. Elle est dure à piloter cette voiture. Et je crains qu'il ne se soit fait piéger du côté de ces fameux S-Porsche que voici. Non, pour l'instant ça va bien. On vit ensemble l'abandon de Thomas Pinotto. C'est dans le premier secteur, peut-être du côté de la chicane. Une erreur possible. On a vu qu'avec la répartition des freins de l'Aston Martin, il avait tendance à perdre l'arrière. Il l'a fait plusieurs fois ce soir. Ah, peut-être deux roues dans l'eau. On va voir ça, on va voir ça. Oh, il a encore frappé le tertre rouge. Il y a un gros décalage par contre avec le direct. Là, il y a quasiment 40 secondes. Assez perturbant. Qu'est-il arrivé à Thomas Pinotto pour qu'il nous quitte de la sorte? Moi, je mets une pièce sur ce virage-ci, malheureusement. Eh oui,
Oh oui, et voilà! Eh bien voilà! Le virage du tertre rouge qui aura fait s'envoler les derniers espoirs du pilote Aston Martin qui va stopper contre le rail, effectivement. C'est terminé pour Thomas Pinotto. Et c'est dommage parce qu'il y avait de gros points à prendre et nous n'avons donc maintenant plus que 8 voitures. Avec, bah non, Logan Joyeux est là, donc 9, navré. Va-t-on battre le record, je crois, du Nürburgring où nous étions arrivés à 7? Incroyable ce qui se passe ici au Mans. Ah, le décalage qui est en effet énorme. On corrigera ça pour la prochaine diffusion. On ne va plus toucher à cela maintenant. Alors, David Lespèce, deuxième, avec la Corvette. Et Anthony Gans qui va terminer sur le podium, possiblement. Et Julien Rosé qui prend la quatrième place à Romain Thomas. Le pied de podium pour l'un des pilotes Blue Sky qui l'échange avec son équipier. Et les Suzuki X-Star qui se débrouillent bien hein, pour l'instant. Fabrice Pellier qui va donc maintenant passer huitième. Du fait de l'abandon de Thomas Pinotto. Moins de 4 minutes maintenant. Et je vous avoue qu'on est presque heureux d'en arriver au bout pour les pilotes parce que ça va être compliqué. Oh attention là, du côté de Romain Thomas qui ressort juste devant. Et la voiture 26 de Fabrice Piaggia, pourtant reléguée à deux tours. Et un nouveau drapeau jaune dans le deuxième secteur. Ce serait Logan Joyeux, malheureusement. Oh là là, le freinage là, qui n'est pas du tout dans la bonne trajectoire pour Sébastien Garcia, qui souvire d'une manière incroyable avec cette Ferrari 458. Oh, et là, le blocage de roue de Romain Thomas. Allez, on pilote sur du sec maintenant, mais lui est en intermédiaire. Drapeau jaune dans le troisième secteur maintenant. Logan Joyeux qui va terminer. Ah oui, il y a un gros décalage. Il y a quasiment 2 minutes de décalage. Assez incroyable. On va les récupérer ces 2 minutes. Du moins, on va réduire le décalage. Pour avoir quelque chose de quand même correct, malgré tout. Allez, 2 minutes de la fin de l'épreuve. Et Benoît Dobert, qui, sauf catastrophe, elle devrait la gagner celle-là. Devant David Lespèce. Et Anthony Yans, Romain Thomas 5e et Sébastien Garcia 6e. Et la déconnexion de Logan Joyeux, évidemment. Voilà, qui précipite son abandon. Alors, Sébastien Garcia, lui. Et toujours sixième. Oh, le tête à queue de Romain Thomas dans la chicane, pardon, d'Indianapolis. Alors, je ne sais pas si c'était très utile pour Fabrice Piaggia de repasser devant parce qu'il est de toute manière plus lent que la BMW. Voilà. N'était qu'une question de mètre avant que celle-ci reprenne son dû. Et on rappelle donc que le tour le plus rapide sera quand même à mettre au titre de Simon Pirard. Quarante secondes d'épreuve ici au Mans.
Et Benoît Dobert en tête. Il y a un décalage, effectivement. On ne va pas vous mentir. On essaie de le corriger petit à petit. Et Logan Joy qui va repartir. Antoniette qui fait un beau chrono. Et le chrono est officiellement terminé. L'épreuve a atteint son terme en termes de chrono. Mais en termes de compétition, ben on va attendre quand même. Hein. Parce qu'il faut maintenant passer le transpondeur. Et je ne sais pas si avec justement ce décalage... Ce sera déjà le cas pour la BMW. À Indianapolis maintenant. Rendez-vous compte, ils sont partis il y a une heure et demie. Ils étaient 16, ils ne sont plus que 9. On a quasiment perdu la moitié du peloton. Avec les pistes qui ont changé de conditions. Et Logan Joyeux qui pourrait, avec 5 tours de retard, terminer cette épreuve sartoise. En tout cas, Benoît Dobert lui est en tête. C'est une certitude maintenant. La victoire va certainement lui revenir. Nouvelle victoire du team Spirit Racing avec une BMW sur la plus haute marche du podium. Ça aurait pu être une Corvette, ça aurait pu être une Porsche si il avait gardé son indépendance, mais ce n'est pas le cas. Benoît Dobert, leader incontestable de cette compétition. Et qui entame le dernier tour, avec le décalage du chrono évidemment, on ne l'avait pas vu. Benoît Dobert donc, dans sa dernière boucle. Ça va bientôt être le cas également de David L'Espèce. Et d'Anthony Yates qui revient comme un fou sur David L'Espèce. Oh, il va le passer. Il va réussir à le passer, incroyable. Anthony Hans qui peut terminer deuxième ici. Alors, la ligne droite pour Benoît Dobert. David L'Espèce et Anthony Hans. On va rester avec Anthony Hans qui, dans ce dernier tour, pourrait s'emparer de la deuxième place, comme on va le voir. Incroyable. Est-ce que David L'Espèce va arriver au bout? Il perd beaucoup de temps là, David L'Espèce, sur le chrono, on va voir. Alors, effectivement, la pression d'Anthony Yates. Bon, du côté de Benoît Dobert, on sort de la deuxième chicane des Unodières, donc c'est terminé. Allez, Anthony Yates, deuxième. Possiblement à la fin de cette épreuve là. Ah, Air Factor 2 a cessé de fonctionner, comme c'est dommage. Ah, quel dommage. Ah là là, quel dommage. Je crois que c'est dû à la fin. Malheureusement, je crois que c'est dû à la fin de l'épreuve. Donc on ne verra pas la fin de cette course, malheureusement. Mais nous connaissons le classement. Ah, malheureusement. Eh oui, en fait, il y avait trop de décalage et Air Factor a décidé, lui, eh bien, de terminer sa soirée. Alors, ne vous inquiétez pas, on va aller collecter les résultats. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, eh bien, on va aller collecter les réponses des pilotes. On se retrouve tout de suite après une courte pause pour les interviews du podium.
Et on se retrouve donc en compagnie des trois pilotes qui forment le podium. Bonsoir ou rebonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va rendre compte d'un dépassement qui n'a pas été visible sur le stream suite à un souci de diffusion. Mais on est en train de décapsuler déjà les canettes de bière du côté de chez Benoît. Ça fait plaisir. Ça, c'est sûr. On fête la victoire. Alors, on va commencer comme à l'habitude dans le sens inverse du podium. On va terminer donc par le vainqueur. On va commencer par David qui a, dans les dernières boucles, dans les derniers tours, bien résisté. Mais finalement, Anthony est passé. Est-ce que tu peux nous raconter, David, ta course, ta lutte avec Benoît pour la victoire avec cette Corvette qui était vraiment véloce ici au Mans malgré les conditions bien pluvieuses? Déjà en fait j'ai été très content de pouvoir participer parce que si tu veux j'ai plus de connexion depuis quelques jours, donc là je me dépanne avec une connexion 4G, donc voilà. Ça a l'air d'être oui le cas de beaucoup de gens en ce moment, donc on va pas citer d'opérateur, mais beaucoup de pilotes en ce moment doivent procéder de la sorte. Mais ouais. Bon, ça t'a bien porté chance aujourd'hui cette 4G. Ouais, comparé à lundi, ouais, où ça a complètement merdé. Mais bon, bref. On était bien parti avec les bons pneus, contrairement à Anthony, hein, qui avait fait le pari des pneus médiums. On roulait bien. Bon, à part Benoît qui était totalement intouchable aujourd'hui, que ce soit sur le sec ou sous la pluie, de toute façon, on était largement dans. Moi, j'avais fait le pari de pas changer de train de pneus. Je voyais que ça tenait bien au niveau de l'usure. On espérait, on faisait quand même une petite danse de la pluie avec les copains de la Blue Sky. quand on a vu justement Anthony remettre des pneus slick, on s'est dit que bon, ça aurait pu le faire. Ça aurait pu le faire à un tour près. Donc, j'étais vraiment au bout des pneus et de toute façon, j'étais pas très à l'aise. Déjà parce que j'avais pas beaucoup pu rouler du fait de ma connexion HS quoi. Mais bon, il y avait des secteurs clés où j'étais vraiment pas bien, où je perdais systématiquement une seconde et demie à chaque fois. Donc, de toute façon, déjà le podium c'est plus que ce que j'espérais déjà en partant tout à l'heure. Oui, ça te conforte aussi au championnat, donc c'est une belle performance. Bon, maintenant, c'est la trêve estivale, évidemment. On va tous partir les doigts de pied en éventail au soleil pendant 2 mois. On se retrouvera donc en septembre avec Montréal, donc au Canada. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la piste de ce circuit Gilles Villeneuve? Et surtout, est-ce que tu vas pouvoir te défendre avec la Corvette comme tu l'as fait ici au Mans? Je sais pas du tout ce que ça peut donner avec la Corvette, honnêtement, parce que bon, après le circuit Gilles Villeneuve, c'est quand même assez particulier du fait que c'est considéré comme un circuit permanent, mais en même temps t'as les murs comme dans un circuit en ville. Donc, comme d'habitude, il va pas falloir faire d'erreur et ramener la voiture au bout, sans bobo quoi. Bon, bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci pour ces quelques mots. Félicitations encore pour ce podium durement mérité. Merci à toi pour tes mots. Merci, bonne soirée. Merci. On passe maintenant au second de cette épreuve. Monsieur Anthony Jans, leader du championnat, qui, je crois, va conforter cette avance avec, avant de venir ici, 200 points. Et maintenant, je crois que tu passes à 218. Si je ne dis pas trop de bêtises. Donc, un week-end qui avait débuté correctement avec une très bonne qualification. Ensuite, un début de course, toi, t'avais pas fait la danse de la pluie par contre. Ouais, le pari était mauvais sur les pneus et on savait pas vraiment ce qui allait arriver. Ça n'avait pas été en notre faveur, ni pour moi ni pour Simon. Mm-hmm. Donc voilà, il a fallu essayer de remonter et on est plutôt bien remonté, enfin moi en tout cas. Oui, Simon, ça s'est moins bien terminé, évidemment.
Est-ce que on peut savoir peut-être, est-ce que Simon a été, on va pas dire sacrifié, mais est-ce qu'il est allé tester les slicks un peu plus tôt pour voir si ça tenait pour toi, ou est-ce que vraiment c'était un choix personnel et que voilà, toi tu es allé un peu plus tard au box en gardant tes pneus pour piste humide? Bah, comme il devait rentrer avant nous, avant moi et Benoît, on attendait un petit peu de voir, mais on avait déjà une petite idée, on pensait déjà mettre les médiums. De toute façon, moi j'avais pas vraiment d'autre option parce que si je voulais remonter, bah, il fallait un petit peu que je me démarque. Mmh. Et bah voilà, après on espérait qu'il pleuve plus. On avait un petit œil sur le prévision, mais bon, la météo, les prévisions, c'est jamais. C'est jamais exact, effectivement. C'est jamais sûr, donc voilà, après on a prié pour qu'il pleuve plus et il a plus. Voilà. La BMW fonctionne bien du coup sous la pluie avec son moteur avant, comme nous l'expliquait Benoît tout à l'heure après sa pole position. C'est vrai qu'effectivement c'est un bon résultat et tu conformes ton avance. Est-ce que maintenant avec ces points d'avance, est-ce que tu vas aborder la deuxième moitié du championnat en septembre différemment, en te disant voilà, j'ai quasiment une centaine de points d'avance, je crois un peu moins, mais tu as quand même une belle marge. Est-ce que ça va changer ta manière d'aborder les courses, ou ce sera toujours du on va dire le allez-y spirit avec à fond comme tu nous l'as prouvé depuis le début de la saison? Bah non, on va rester à fond, parce que justement, comme on a une grosse, comme j'ai une grosse avance, bah, au pire des cas, on perdra cette avance-là et elle servira à ça, quoi. Alors on a vu l'arrivée de, je reste un peu plus longtemps avec toi, on a vu l'arrivée de Benoît il y a depuis quelques épreuves et il s'annonce être un vrai candidat au titre. Est-ce que pour toi c'est vraiment, on va dire, l'homme à battre, même si tu es l'homme à battre de par ta position, mais est-ce qu'il pourrait y avoir une rivalité entre vous qui s'instaure au fur et à mesure des épreuves, ou tu penses que c'est passager, qu'ensuite il va retrouver son rang dans le peloton? Qu'est-ce que tu penses un peu de la performance aujourd'hui de Benoît? Non, bah, y a quelques courses en moi, donc je pense que ça va être compliqué, sauf si vraiment je fais de la merde à la rentrée, on va dire ça comme ça. Bon, bah au moins ça mérite d'être clair. Mais pour le titre, non, pour l'instant je pense pas trop de peur, quoi. D'accord, bah au moins c'est honnête de le reconnaître. C'est bien aussi de savoir si la mentalité change avec l'évolution du nombre de points à côté de votre nom au classement, et C'est bien de voir que bah, tu gardes l'esprit de combativité. Nous, ça nous fait de l'action en piste et c'est ce qu'on veut. Merci Anthony pour tes mots. Félicitations pour cette deuxième place arrachée dans le dernier tour à David et sa Corvette. Merci à toi pour ces mots. Merci. Pas de souci. On passe maintenant au vainqueur et poleman de la soirée, Benoît Daubert. Rebonsoir Benoît. Bonsoir. Alors, le coup de la BMW marche bien, finalement, sur cette piste humide et sur la piste sèche. Belle bagarre, belle remontée. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, déjà, tu as vécu le début de course avec cette... une drache, comme on dit chez nous, cette grosse averse qui a inondé le circuit, et ensuite l'évolution de la météo, où on a vu beaucoup de pilotes glisser, perdre, et toi, que ce soit sur le sec ou sur la piste humide, tu avais des réglages qui se sont bien adaptés? Bah déjà, on sort de piste, je prends la décision de rouler en inter, parce que bon, je suis devant, je préfère jouer à la sécurité. Je vois qu'Anthony me dit qu'il passe en pneu sec. Voyant la piste qui était bien sèche, j'avais quand même des grosses appréhensions. Mais bon, pendant le tour de formation, il se met à pleuvoir et bon, bah du coup, j'explose de joie. Sinon, une voiture, Anthony m'a conseillé pour la régler, donc j'ai pu trouver des réglages qui me satisfaisaient très rapidement. Et c'est vrai qu'elle se comportait vraiment très bien sur la pluie et sur le sec. Du coup, pas trop de soucis, j'ai eu quelques frayeurs quand même en pneus secs quand la trajectoire n'était pas encore tout à fait sèche. Mm-hmm. Mais mis à part ça, une course assez bien maîtrisée de bout en bout. C'est bien, on sent qu'il y a vraiment beaucoup de respect entre vous dans cette lutte qui commence à s'instaurer. Désolé, j'insiste, mais c'est aussi ça qui nous intéresse, nous, on va dire, simples viewers de ce beau championnat. La trêve maintenant, il va falloir faire une pause, retour à Montréal au mois de septembre. Comment tu vas, toi, aborder la deuxième partie de ce championnat? Est-ce que tu vas justement tryhard et essayer d'aller chercher Anthony, ou est-ce que tu vas te contenter, si on peut dire ça comme ça, même si c'est déjà de belles performances, et bien de remporter course après course et prendre chaque course comme elles viennent?
Pour l'instant, je pars dans l'optique de jouer course par course. Là, vraiment, l'objectif, c'est de gagner ou de faire le meilleur résultat possible. Après, le championnat, étant donné que j'ai beaucoup de points de retard, j'y pense pas trop. Mais c'est vrai que peut-être qu'en fin de saison, je vais commencer à regarder le classement. Mais bon, pour l'instant, au Canada, en tout cas, il s'agira de faire le meilleur résultat possible. Très bien. Eh bien, merci en tout cas pour ton retour. Félicitations pour ta victoire. On se donne justement, messieurs, rendez-vous au Canada. Ce sera au mois de septembre pour la reprise de ce championnat GTE Series avec, on l'espère, pourquoi pas, de nouveaux pilotes sur la grille de départ. Vous savez que vous êtes les bienvenus. Si vous souhaitez vous inscrire, c'est du côté du forum de la FFSCA que ça se passe. Merci, messieurs, pour vos mots et félicitations encore. Et on vous souhaite une agréable et douce soirée. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci. Et voilà, c'est ici que l'on va refermer cette diffusion. Merci d'avoir suivi cette manche du championnat des GTE Series. C'est pour l'instant terminé. Plus de compétitions à suivre avant la rentrée au mois de septembre. Mais il y aura bien évidemment des lives pendant les vacances. Ne vous inquiétez pas, je ne vous abandonne pas, chers viewers. Merci, malgré le football, malgré les 24 heures du Mans, d'avoir choisi de passer votre soirée en notre compagnie. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, et pourquoi pas dès ce week-end au Mans. Merci à tous et une bonne nuit. Ciao !